J'ai Ouais, encore eu le ça l'a pas problème refait depuis l'autre longtemps? fois. Ah, ça Ça me l'a l'a pas refait refait hier. là? Ah, non, hier, Ah ça me l'a merde! refait. Ah, Ah ouais! bonjour, vous êtes là. Bonsoir. Oui, on discute avec Monsieur Romagri, comme ça. Oui, Voilà, on discute des petits soucis qu'on a sur les PC, enfin, surtout moi. voilà. Mais voilà. J'espère que vous êtes tous à forme, les gars. Ah, j'ai pas mis la musique. Ah, bah Attends. alors, Wop, et hop, bonsoir à tous, bonsoir les hop. amis, Wop, hop, bonsoir. hop. Attends, j'ai fait, il va mettre la musique. Eh oui, quand même, un petit Voilà. fond musical. Voilà, quand même, un petit fond sonore. Attendez voir, parce que là, je Si, suis un si, peu. si, la grille du futur, si, si, La il va grille du arriver, vous futur. inquiétez pas, il est là. Il est là, Il est Bastia, là, il est là, vous inquiétez il est pas. là, vous inquiétez pas, il est là. Alors attends. Oh là là, que c'est chiant ça. Ah voilà, bon, j'ai trouvé la petite playlist. Impeccable. Là, on est Impeccable. bien. Bon, est-ce que ça va, les gars? Dites-moi tout ça dans le chat. Dites-nous tout ça dans le chat, les amis. Très content de vous retrouver, en tout cas, pour ce nouveau live sur les Agris de Dordogne. Comme d'habitude, le petit live du mercredi qui vous fait plaisir et qui nous fait plaisir également. Exactement, Donc, on est bien exactement. content de se retrouver. Ça va, mon Rome, aujourd'hui? Bah oui, nickel, Ouais, franchement. Bon, nickel. c'est Bon, pas bah. trop le printemps, mais ça va quand même. Bah écoute, moi aujourd'hui, c'était hier, c'était pas le printemps. Moi hier, c'était Ah une ouais? cata. Ah oui, c'était une cata. C'était une cata. Mais là, ça va. Aujourd'hui, ça a mieux été. Bon, il fait pas encore très très chaud. Non, Mais. voilà, t'es pas encore très chaud. Nous, c'était un peu mieux en fin d'après-midi, on a eu du soleil, mais ce matin, Ouais. c'était la bruine, la pluie, enfin, c'était vraiment Ah pas bah non, top, j'ai quoi. pas eu de flotte, tu vois. Ah Mais ouais. enfin, on l'a eu hier, la flotte. Hier, par contre, ça a pas arrêté. Mais un Ah truc de ouais. fou. Toute la C'est journée, top. quasiment. Flotte, flotte, flotte. Mais bon, Mais ça bah, ne salut bien à saurait tous ceux qui tarder, ça va arrivent. arriver. Ça va arriver Oui, tranquillement. l'été va arriver, les amis. Apparemment, ils annoncent un été très très chaud. Oui, bon, on verra. Voilà, alors c'est. Par contre, c'est pas parce qu'on va se mettre tout nu avec Rome que ça va être très C'est chaud. ça. Attention. Non, Mais. justement, ça pourrait même se refroidir. Au coin de la piscine, ça pourrait Ouais, être. ça Oui, peut. ça pourrait devenir. Oui, le froid Oui. glacial. Bon, désolé, les gars, désolé, on dit n'importe quoi. Mais on est là. En tout Oh, cas, j'espère que vous êtes tous on très peut très rire. bien. Bon, moi, j'ai On peut attaqué de rigoler un peu bosser, quand hein, même. Rome. Je sais Voilà. pas si. Voilà. Écoute, moi, je donne de la paille aux animaux. J'essaye de donner de la paille aux Essaye animaux. de la paille, mais on va revenir. Attends. Et là, à chaque fois, je galère à reculer. Attends, est-ce que je vais y arriver? Non, pas du premier coup, j'ai fait ça peut pas aller. Non, j'ai pas du premier coup, c'est pas possible. Mais si, bravo. Mais non, mais tu t'améliores dans les. Quand tu recules tes plateaux là sur Oh non, mais la là, ferme ça. pontoise, tu débrouilles ça vraiment bien, franchement. Bah là, Faut j'avoue, les juste gars, je passe prendre derrière son ou temps. quoi là? Faut juste prendre son temps. Ouais, Mais en t'es fait, faut doué rouler parce qu'on. doucement. C'est ça. Par contre, là, le plateau, il est tellement long que là, je. Ah bah non, il y a une voiture. Bon, il y a une voiture, ça va, on a fait un feu. Par Ouais, contre, là, c'est je bon. tourne pas, les gars, là. Si, ça tourne. Là, ça va être droit. Wouah! Droit. Droit. Oh merde, la Oh, voiture devant! La Oh, Smart! cassant bien le plateau. Oh, ça passe. Ah, la Ça Smart, elle passe, a ça pris un peu passe. La Smart du de Père Bichet, latitude. oh bordel de Dieu. La gueule, elle roule, la gueule. Allez, on est parti. Salut à tous les amis. On va retrouver Bastien vocal d'ici quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, il viendra nous retrouver. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Gifit et Rome. Salut Rome. Oui, Ah, comment ça va, bonsoir Bastien, ce soir? Bastien, bonsoir à tous dans le chat. Eh bien écoute, ça va. Ça va, On bah fait écoute, aller. on fait On aller. fait Ouais, bah aller. écoute, content de te retrouver en tout cas. Ouais. Ouais, je vois, content de live. Bah du coup, il vous n'est pas là, donc c'est parfait. Ah, et Je ne il sais pas pourquoi il n'est pas là. Ah ouais, Je mais sais il va pas ce peut-être qu'il pas va venir. tarder, là. Il y a peut-être un peu de retard, Ah j'espère. bah oui. Ouais, j'en Ah sais ouais, rien. je J'espère pense. que oui. Mais Eh bah oui, voilà. ça va Ok. bien se Bon, alors, passer. quel est l'histoire? Eh bien écoute, si tu te rappelles bien, on a acheté un nouveau tracteur en fin de Eh live, oui. mercredi Ah, dernier. quoi arrive, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ben Tu voilà. m'as dit j'avais pas reçu ton message, mais c'est normal, j'ai rien envoyé, donc Ah, c'est normal. c'est normal. C'est normal. Ouais, donc nous, nouveau tracteur mercredi dernier, du coup on va le faire tourner un petit peu, il pend du fumier sur les Ah parcelles oui, qu'on mais a attends, nouveau récoltées. tracteur, c'est lequel déjà? C'est pas C'est un le sien? CTS? Le Non, c'est le CTS? Ah massé. oui, Tu sais, le CTS, c'est CTS vrai, que c'est t'avais vrai. vu, tu sais, que vous voulez. Eh ben après, franchement, il date ta Ah mais gueule oui, je me aussi, le rappelle. CTS. Mais Ah ouais, oui. date Et ta nous, on gueule, l'avait c'est acheté un petit, on faisait un tout petit peu devancé, quoi. Voilà. Voilà, ouais. Un tout Et on petit a peu. un nouvel épandeur. Ah oui, on a acheté le Pérard aussi. Oui, c'est vrai qu'on a On acheté a les un Pérards. Ah mais. Attends, Voilà. mais j'ai pas. Vous l'avez pas là il y a un mois quand même. Mais non, Mais mais vous non, étiez. non, 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 non. Non. Je me dis, j'ai raté trop de choses, c'est pas Mais non, possible. mais enfin, ça s'est tout fait en fin de live, hein. J'avoue qu'on a Ouais, tout. c'était plus sur la fin, Ouais, j'avoue. c'était carrément Ok, sur la ok. fin, du coup, c'est normal. Bon, mais Mais bon. voilà, puis on va attaquer nos travaux. On a pris une mission aussi, voilà. On a une Je mission crois de que je sorgho, ouais. la. Attends, je regarde à ton live là, mais je vois le champ à gauche, il est pas mûr chez moi là, il y a la batteuse. Non, c'est quoi du Ah bon? soja que t'avais mis là? Ouais, bah Ouais. il me faudrait le moissonner, donc à mon avis, si vous pouvez dodo, on va dormir. Hein. Bah au pire on peut dormir maintenant, oui. Attends Oui, Romain, on on va peut juste dormir. vérifier que les poulets du grain, pour que ça Ouais, produise et c'est bon. juste ça, je allez vais vérifier. vite, ouais. On va faire ça. Bah vas-y Rome, je te charge de la Là. mission. Oh putain, ça je vais me cracher dans Bah le. je vais dans mon chat, Yes, pas de ouais. soucis. On se Dans mon retrouve live, après. et à tout à Bah de toute l'heure, façon je ouais. lancerai le dodo, vous accepterez et puis voilà. Ouais, ça Hein, ça marche. marche? Ok. Dès que tu peux dormir, on dort. Ouais, Ok. bon, on va remettre du Allez. grain parce qu'on est à 2888 litres, c'est pas assez. Et bah allez, c'est parti, remettons. Ouais, je vais reprendre le petit macé, on va Attends, je vais prendre. le laisser là.
Ouais, ça va, Tom, et toi, comment vas-tu? Salut à tous, les gars, je te quitte les bâtiments de maison maintenant, je suis rodé pour les installer. Bah, parfait, Julien, ah, bah top. Bon, est-ce que notre silo a fermenté? Il y avait ce bug aussi, là, non? Ah, bah oui, tiens, j'ai pas été voir ça. Bah, on va aller voir. Oh putain, ouais, silo là, qu'il y avait. Mais Bastien, lui, il était passé, il était à zéro, puis d'un coup, il est passé à 100%. Alors, donc, j'espère que bah, nous, ça va faire la même. Ouais, parce que le silo est plein, quoi. Alors là, j'avoue, je sais même pas comment faire. Est-ce qu'avec les e-développements, on peut accélérer la fer... Enfin. Genre accélérer la fermentation d'un silo, on peut pas, je crois pas. Je pense pas les silos. Ça me fait un peu peur, ça me fait un peu peur. Oh, 100% fermentation. Ah bah parfait, bon, bah ça, voilà. Je pense que ça venait du ouais. du serveur, je pense, à mon avis. Oh, donc Rome, ce qui va se passer, c'est que dès demain, on achète une mélangeuse. Voilà. Une mélangeuse, yes. Un petit coucou de Valras Plage. Bah, salut Lorenzo. Oh, bah dis donc, t'as Valras, de la chance. Oui, c'est dans. T'as de la chance, toi. C'est pas un peu trop tôt pour aller à Valras Plage? c'est quoi comme tracteur? Salut, c'est quoi comme tracteur? Lequel le nouveau? C'est le Massé. Massé 7S. Massé 7S. Qui est pas dégueu, hein, franchement. Qui est pas dégueu. Ouais, non, il est propre. Bah, il est... Je vais vous le montrer, les gars, le temps que Rome fasse ça. Et du blé, on met quoi? Non, on a plus que du blé de toute façon. Eh bah ouais, mais ouais, de toute façon, c'est fait pour. Hein, Allez, bah je vais vite. Voilà, le 7S, les amis. 7S 165, pardon. 165, ouais. Avec le Pérard, du coup, c'est vrai qu'on l'a pas forcément montré, mais le Pérard, bah, vous l'avez vu sur la miniature de toute façon. Mais, C'est vrai que le Pérard, ouais. Il est dernier pas, achat avec le Massé, ouais. Dernier achat avec le Massé, il était en promo ou pas? Salut mon petit Alex, comment ça va, l'ami? Coucou mon Alex, comment vas-tu? Salut mon Vincent également, comment vas-tu? Avez-vous des informations sur un mapalonier? Alors Alain, oui, alors on t'en veut pas Alain, donc, tu es juste le 200ème, non. Alors les gars, j'ai fait une story sur mon Instagram, c'est pas tout le monde qui a Instagram, mais il y a Massette qui a partagé une story, je vais vous la lire, comme ça, je l'ai repartagé moi pour essayer de toucher un maximum de personnes, je vous la relis, voilà, alors, donc c'est la story de Quentin, de Massette Pro. Palonnier map, elle est en test chez Giant pour modub et console. Pas de date pour Palonnier. On vous tient informé, mais arrêtez de nous demander s'il vous plaît. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup trop de demandes. Enfin, j'imagine que lui, il doit en avoir énormément. Mais il en aura énormément, ce qui est normal. Oui, ce qui est un peu normal, c'est lui le, Lui le créateur. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas demander tous les jours. C'est comme pour les pareuses Girac, si je vous dis rien, c'est que moi, je n'ai pas de nouvelles. Et non, bon, c'est... Bien pour le moment, c'est mal barré. Enfin, bref, voilà. Vous serez au courant, mais tout de suite. Voilà, mais moi, dès que j'ai des nouvelles, voilà. Mais si on dit rien, c'est qu'il n'y a rien. Parce que Quentin sera le premier à vous partager des infos s'il en bien a, sûr. Parce que c'est sa map. Ça lui fait plaisir de vous partager ça. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez les infos. Mais ne spammez pas, n'envoyez pas de messages tout le temps, tous les jours. Enfin, surtout, je pense à Quentin, surtout. Moi, j'avoue, j'ai un peu arrêté de répondre à ce... Au début, je répondais. J'avoue, maintenant, j'arrête un peu parce que sinon, je ferai que ça. Ah bah moi, ça sera pareil de mon côté. Voilà. Franchement, c'est terminé. Je ne réponds plus. Bah c'est... J'ai acheté un parfait, Julien. Impeccable. Donc voilà, c'est juste pour vous faire une petite story là-dessus. Vous inquiétez pas, c'est en test. Mais Giant a beaucoup de retard sur les modes. Donc ça va pas sortir tout de suite, Je crois qu'ils ont 35 jours de retard sur le... Ah bah ouais. Donc, mais peut-être que semaine prochaine, elle sera là. On ne sait pas. On peut avoir une bonne nouvelle. Enfin, voilà, oui, de toute façon, Quentin vous tiendra informé. Voilà. Point barre, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas... Parce qu'à demander tous les jours, c'est pas pour ça qu'elle viendra plus vite, les gars. Exactement. Ça, c'est... ça dépend de Giant, donc c'est plus dans les, dans les mains de Quentin, comme on dit. Enfin, dans les mains de Massette. Voilà. Ouais. T'es prêt à dodo, là, ou pas? Oui, bah vas-y, tiens, c'est bon. Allez, on va se lever. Donc, nos 9000 litres qui restaient en stock, au pool. Voilà, ça a vite accepté. Tout le monde avait envie d'aller dormir, ça se voit. Je pense, ouais. On est vite fatigué. Allez, impeccable, c'est bon. La fermentation des silos, bah oui, c'est fait. Les vendus 11 000 euros, bah tain. Et là, par contre, on a vendu pas mal. Ah ouais, bah pas mal, dis donc, ouais. Là, si j'avais su les œufs roms, tu vois, bon, on a 4 palettes, mais si j'avais su, attends, je vais les enlever de là, j'aurais dû attendre de passer la nuit. Ouais, ouais. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On voit ce qu'on va aller faire, les amis, ce qu'on va aller prendre un peu de fumant, à tester notre 7S, on l'a pas encore testé. On va aller tester ça. Bon, Jérém, là, donc, on doit investir dans une mélangeuse, on est d'accord. Ah, mais est-ce qu'on achèterait, on rachèterait pas après une benne 3 issues? Si tu veux. Ou une 2 issues, mais. Non, mais oui, je suis d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Attends, remorque. Attends, on n'a pas de promo des fois là. Ouais, ah, il y a un Roland promo, tiens. Ah, il y a la benne l'air. 2 essieux. Capacité, on peut monter à. C'est vrai que des l'air, j'en prends jamais. Ah ouais. 18 500, c'est pas énorme.
C'est pas grand en capacité. Hein. Bon, elle est pas chère, ouais. J'avoue, elle est vraiment pas chère. Hein. Après, il y a capacité 24 000. Qu'est-ce qu'on a, 18 000, 24 000 et c'est tout. Parce qu'après, t'es sur de la benne en silage, quoi, 24 000. Ah, elle est pas chère. Par ouais, contre, elle est bien. Ah, l'usure, elle est top du caisson. Ouais, ouais. Écoute, qu'est-ce qu'on a comme thématique? Ouais, elle est assez grande quand même. Les KT sont pas mal. Bah écoute, elle fait 18 mètres cubes. Je trouve que ça fait pas. Parce que la benne Le Bouche, elle fait combien? Elle fait 15, non? C'est pas énorme. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on fait des grandes parcelles après dans des missions, on va être embêté encore avec des bennes. Je pense qu'il faudrait mieux taper sur une grosse benne. Il va peut-être mieux taper tout de suite sur une grosse benne. Je suis d'accord. Attends, je suis en train de regarder les mélangeuses là. C'est bien, il y a la. Celle-là, elle est top. Je pense qu'on ressent. La chute maker, là, la 180, 18 mètres cubes. Je pense qu'elle irait pas mal, celle-là. On va peut-être l'acheter d'ailleurs. Regarde, si tu vois le live, ouais. Attends, je suis en train de regarder en même temps, vas-y. Ah oui, alors ça, c'est la barre d'attelage, ça. Elle est bien. Ouais. Hein, je pense qu'elle est pas mal, non? Ouais, très bien. Et elle coûte combien, celle-là? Bah, 30 000 euros, mais. Par rapport à la capacité et tout, je pense que c'est l'une la moins chère. Elle va au top, non, puis il ira très bien avec les tracteurs et tout. Bon, je vais l'acheter. Et on ira la chercher. Ah bah oui, mon Alex. On ira chercher plus tard. Là, j'ai on attendra. Fini mon rhum, je tape dessus. Ouais, je vais donner du travail. Oui, ah, je vais c'est cool. Ah bah, impeccable ça, Alex. Voilà. Ouais, les bennes littorales, il n'y en a pas tant que ça, je pense. Non, mais j'en ai trouvé et il est en train de me refaire des petits trucs dessus. Ah, bien. Impeccable. On va y prendre un peu de fumier dans ce début de live, les amis. On va déjà faire un épandeur. J'avoue, on va voir. Est-ce qu'on peut remplir en automatique? Parce qu'en mode manuel. En mode manuel, les gars, c'est juste. On a un godet de 1000 litres. C'est juste hyper long. Ça fait. Enfin, 1000 litres, j'aime bien, ça fait 15 godets, mais bon. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu long. Et on est pas mal dans ce petit 7S. Ouais. J'ai gardé les ridelles en silage pour que ça fasse plus de volume. Ouais, t'as bien fait. Ah oui, parce que toi, du coup, on ira voir Rome aussi, mais il a pris une mission. Dans quelle parcelle, Rome? 60. Je viens de l'avoir. 61. 61, parcelle 61. Oula, tu vas de l'autre côté, là. Ouh. Ouais, sauf que c'est pas mûr. Il est pas mûr, son sorgho, Bastien. Bon, écoute, on va attendre qu'il arrive. Il va bien nous dire de passer encore la nuit. Mais ça dérange pas, parce que nous, on est là-dessus, on n'a rien de. Non, on est bien, donc on verra. On a rien sur le feu. Quand j'enlève les gyrophares, les gars, moi ça me reflète trop. Puis ça me fait ramer le PC sur serveur. Je trouve que le jeu il rame plus que. Et, Franck, on va très bien et toi? Ça va très bien. Ouais, salut à tous les gars, je ne connaissais pas cette marque. Laquelle marque, Gilou? De Ben? La Ben la littorale, peut-être? De mélangeuse. Mélangeuse, peut-être, j'avoue, je sais pas. Allez, on va attaquer par répondre un peu de fumier. Ah oui, c'est vrai, il y avait les feux. Qui se baissaient et tout pour pas les salir et tout. Ça. Regardez, ça c'est vraiment stylé. Qui pivote. C'est pas mal. Salut Matt88. Alors là, du coup. Il est bien ce petit. Alors, ah oui, mais je m'attends à ce que le truc azote arrive. Mais non, on n'a pas le DLC précision là. C'est vrai. Alors attends, je vais juste regarder pour être sûr que ça mette bien de l'azote. Enfin, du. Ça, bon, voilà. Au cas où, parce que moi je me connais, avec ma chance, ça peut très bien. Attends. Fertiliser. Je suis où? On est où? On est là. Mauvaises herbes, on s'en fout. Doit être labouré, on s'en fout. Doit être plombé. Ah si, c'est vrai. Faut tout désactiver pour voir ce que tu mets en... Pour voir l'azote apparaître. Enfin, bon. Bref, c'est pas grave. Allez, on y va. On est bon. Je vois qu'il y a une benne la campagne à la concession. Est-ce que si on l'enlève de la concession, on a un prix ou pas? Parce que c'est... Ah, je sais pas. Bastien avait mis ça en déco, mais... Est-ce que si On le posera la question. Ouais, mais qu'est-ce que. Ouais. Ouais, j'avoue, ça, l'idée est pas bête. D'acheter. Enfin, après, je dis pas d'avoir moins 50, mais. Non, mais d'avoir. Voilà, comme si une benne qui est en exposition. Après, je sais pas avec Ouais, mais on posera la question. Ah. Ouais. C'est vrai que c'est pas bête. Salut miniature, comment vas-tu? Salut miniature et salut 100%. Il a des bonnes idées, Rome, quand il veut. Oh, c'est souvent. Eh oui. Ah, pourquoi t'as mis. Allez. Oh, j'ai encore ce bug. Pourquoi je roule à zéro? Le régulateur, il tient pas, moi. Bah. C'est une blague. Ça fait comme. Bah, écoute, non, bah alors ça là, ça. Bah là, c'est bon. Bah là, je suis pas à 17, je suis à 16. Eh, moi, ça faisait pareil que la pailleuse, j'arrivais pas à la stabiliser. Mais c'était Hugo qui me disait qu'il avait le même souci l'autre fois que le régulateur, il n'y a pas moyen, il descendait à 1 km/h.
Et là, là par contre, je suis bloqué à la 17. Là, je suis bon. Il y a encore un mode, à mon avis. Il y a encore un bugué quelque part. C'est que je voulais voir si c'est bon. Il y a un mode sur la partie. J'ai regardé tout à l'heure là. Quand j'ai je sais pas combien il y en a, mais. On en a 900. 900 modes, mais il faut. On a 900 modes. Moi, je mets jamais 900 modes sur mes parties. Surtout, surtout qu'il y a beaucoup de modes qui sont pas à jour parce que forcément. Forcément, ça fait. Ah, ça fait trop de modes. Enfin, c'est ces modes qu'il a depuis le début qui met jamais à jour, Bastien. Donc, ceux qui se mettent à jour avec le mode up, c'est vrai qu'il n'y a pas de soucis, ça va assez vite. Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas en super large. Et il a plein de modes qu'il a pris, des tracteurs que j'ai jamais vus et tout, des trucs sortis de la guerre. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de modes. Moi, ça me donne le tournis, tous ces modes. Tout à l'heure, en mettant les modes dans la partie, j'ai regardé ça. Quand j'ai sélectionné, 900. Mode, 900. Salut à tous ceux qui arrivent. Véhicule de stock, moins 20%. Ouais, ouais, enfin, vous pouvez nous faire un. Dites-nous ce que vous en pensez, si on peut avoir un petit rabais. Un petit rabais, ouais. J'avoue. L'idée est plutôt bonne. Salut Wilfried. Moi aussi, j'ai le bug avec le... Ah ouais, ok, Agripapi. T'es sur serveur ou que sur tes parties perso? Parce que moi, ça me le fait pas sur mes parties perso, ça. Ouais, alors, je pense que c'est que sur serveur. Je pense que c'est un bug de serveur. Bah ouais, ça ressemble bien à un bug de. Moi, partie perso, j'ai pas de soucis particuliers non plus. Non, ça fait même pas le tout. Oh, il manque quoi? Oh, il manque 2 mètres carrés là. Enfin, pas 2 mètres carrés, mais. Pas loin, quoi. Est-ce que je peux remplir en mode automatique les pendeurs là? Parce que j'avoue, en mode manuel, les gars, ça va être super long pour vous. J'ai pas alors, trop envie. Il me semble que oui. Il te semble que oui. Il y a la petite icône avec la remorque à côté, normalement, c'est bon. Merci Franck, ouais, merci pour le message. J'essaie de lire aussi un peu vos messages. Ouais. Salut Julien. Je regarde plus Tervieux. Ah, plus Tervieux. Plus. Attends. Plus Tervieux. Oh bah non, mais c'est Tervieux, j'imagine. J'imagine. Sur son live, mais je t'adore. Continue. Ah non, je regarde plus que Tervieux, peut-être. Son live. Ah, tu regardes plus que. Ah d'accord, bon, moi c'est. Ah oui, d'accord. Ouais. Merci. Vraiment, ouais, tu me soutiens, bon, ça va alors. Oui, sur serveur. Ok, Fred. Et je remercie parce qu'il y en a plein qui nous identifient des fois dans les stories après live et tout. Vous regardez les deux lives en même temps, c'est assez stylé. Ouais, c'est stylé ça. Donc merci à vous. Allez. Le bug, c'est avec le VCA. C'est quoi le. Bon. Ah, c'est le. C'est quoi ça le système de GPS, mais tu sais, autre que guidance steering. Ah, non, moi j'ai que. Je n'aime pas ce mode. Moi j'ai que le guidance steering moi, sur mes parties. Moi aussi. Et j'aime pas ce mode, il me donne la gerbe. Ah, si on peut remplir en mode automatique. Ah, ça c'est bon parce que alors, les gars. Alors là, il y a des bidons. Non mais. Non, bah, il y en a de partout. Il y a des bidons de Daddy Blue au bord de la route. Ah bah, impeccable. Si tu veux dire ah spawn dans le. Oh là là là, décidément, j'y fit. Spawn dans le fait de minute. On voit que j'y viens que le mercredi, les gars, sur la ferme. Parce que j'ai pas mes repères là, je rentre dans les barrières. Ils ont fait le petit poussé. Rome, il m'a mis le godet au milieu là. Je vais sûrement le taper un peu. Voilà. Ah oui, mince. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais, puis le massé doit être resté. Ah, c'est bon, on peut remplir. Oh, c'est où que ça vide là? Si ça vide. Bon, ok, j'ai pas vu vider le tas, mais bon. On va dire que c'est que ça a vidé. Ça marche? Bah, ça marche, ouais, ça marche, j'ai rempli mon épandeur, mais. Mais j'ai pas vu le tas se vider, bon bah écoutez. Bon bah écoute. On prend, hein. On va, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, Jérémy, tu as caché les panneaux sur la série à Bastien, exactement. Bah, du coup, il a pas pu faire de live lundi. Mais vous verrez, du coup, j'ai trouvé des bonnes petites planques. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, mais j'avoue, je me rappelle même plus des trois quarts où ils sont. Hein. Donc j'espère qu'il va pas me demander d'après où est-ce que tu les as mis. Parce que je suis incapable de les retrouver. Bah, il y en a, oui, parce que ça est dans un endroit bien précis, mais il y en a, c'est un peu dans les endroits, un peu dans la friche et tout, dans la forêt. Mais c'est dans des zones de passage quand même. Mais il y en a qui sont un peu cachés. C'est ce qu'il m'a dit, hein. J'ai fait comme il m'a dit. Ok, voilà. J'ai fait au mieux, mais c'est pas mal. Non, mais. Voilà. Alors. Nathan, on répondra plus à cette question, malheureusement. Voilà. Oui. Parce que trop, c'est trop. Ça sortira bientôt, quand ça sortira. Beaucoup voilà. Trop, beaucoup trop. Mais vous verrez, ça viendra. Mais laissez les créateurs vous informer de la chose. Voilà, ne demandez pas tous les jours, toutes les 5 minutes. C'est pas pour ça qu'elle viendra plus vite. Je sais que vous êtes impatient et je vous comprends et c'est top et ça fait plaisir pour les joueurs console. Moi ça me fait sincèrement plaisir. Hein. Il y en a qui m'a d'ailleurs reçu un message aussi sur Instagram en me disant que j'en avais rien à foutre des joueurs console,
que j'étais sur PC, donc ça me touchait pas, et que je disais, et qu'en fait j'en avais, enfin, parce que je m'en foutais totalement des joueurs console, voilà. Ah non mais comment, mais enfin c'est... Ah, ah c'est oui, non mais oui, non mais bon, moi bon, j'ai pas répondu, parce que j'ai arrêté. Non, bon, non, bon, faut plus répondre, mais bon. Mais, voilà quoi, j'ai envie de lui dire, mec, oh. Voilà, enfin bref. D'ailleurs je vous remercie aussi les amis pour mon TikTok, parce que ça prend bien. Et la vue que j'ai fait... Oh, on a passé 79K ? Peut-être. Ah, bah c'est bien ça. Bah après je vais reparler de mon TikTok après. Oui, ah, oui, non, oui, t'es à 79. Oh, ouais, t'es à 79. Bah merci les gars. Bah GG. 79 GG, 000. Chat. Bah je suis à 79 092. J'avais pas pris autant. Allez, hop, c'est parti. Ouais, c'est la fête. Champagne. Et ça fait un moment que j'ai déjà passé 79K, je suis à 79 092. Ah oui, c'est un petit moment, oui, bah je crois que... Je me rappelle même, moi les gars, pour tout vous dire, j'avoue, des fois je suis pas un... Bah merci en tout cas les gars, merci pour... Bah merci, vous le savez, pour tout le soutien et tout, vous êtes au top. Tu me diras, Rome, s'il y a besoin de t'aider à emmener quelque chose, une benne... Alors, j'emmène l'élection, la benne est déjà emmenée, je ramène l'élection. Ok. Ça va Salmon et toi? Après, si tu veux, je débiturerai le champ, puis tu pourras reprendre derrière. Si ouais, tu veux. Je continuerai un petit peu pour montrer un peu aux abonnés. Voilà. Faire un peu des chantiers différents. Voilà, changer un peu d'activité. Voilà, attends, j'ai pas, mais j'espère que ça prend. Oui, tu finis, c'est plus besoin, c'est pas bon. Après, tu pourras prendre des chantiers d'épandage avec le 7S, si tu veux, changer un peu aussi. Là, j'ai pas dans la 21 et dans la 5. Il restera la grande parcelle qu'on a fait en dernier. Et je pense qu'il faudra sûrement aller épandre aussi Je pense dans que... les parcelles de l'autre côté, là où t'es là-bas. Tu sais, la parcelle 44 et l'autre là. Oui. Celle-là, ce serait bien. Ce serait bien qu'on aille y retravailler un peu là-bas, qu'on y prépare les terres là. Je pense que je prendrai le fent et aussi on irait essayer de préparer un peu les terres. Qu'est-ce qu'on remet là-bas? Soja. Faudrait qu'on regarde s'il faudrait qu'on mette des céréales à paille. On les mettra peut-être plus sur les terres à maïs, là, qu'on vient de faire. Ce que j'allais dire, là où on a fait les ensilages, ouais, je remettrais bien du blé pour qu'on n'ait pas très loin à ramener la paille. Ouais, j'avoue. Donc, ça reste autour de la ferme et tout ce qui est à l'opposé, peut-être des cultures, voilà, où ça demande pas besoin de... où ça demande de broyer, tu vois. Mm-hmm. Ça peut être pas mal. Là, il faudrait qu'on broie les cannes, peut-être, aussi, là, j'avoue. Ouais. Bon, après, si on le fait pas, c'est pas dramatique, hein. Là, c'est la série un peu plus tranquille. Si on le fait pas, on n'est pas... Voilà. Oui. C'est pas la fin du monde. Ok, ça c'est bon. Là, ah bah ça va, impeccable. Nickel. Ouais, la benne et tout, c'est bon du coup t'as... Ah oh ouais, la benne est là-bas. La benne ah est ouais, attendez la benne, ok. Allô ? Oui ! Rome, c'est quoi ta batteuse de merde ? Oh, dis donc, pourquoi une élection, wow. dis donc, hein. Je vais vous faire chier. Ah d'accord. Non, voilà, j'avais juste envie. T'as bien raison. Non mais nous on bosse mais notre choix est toujours pas meilleur par contre. Eh non ouais, après, ce qu'on disait, ouais. Bah vous après nous ça ne range pas d'avancer le temps avance hein si tu veux. Ouais si tu veux. Sûrement pas. Vous avez une moissonneuse ou c'est moi là où je viens de voir une moissonneuse en fond? Hein? Bah Rome il a la moissonneuse. Ouais je suis parti. Attends mais dans le fond c'est pas toi qui... Dans le fond? Non c'est mon massé. Non mais la ferme parce que attends j'avance mais je vois personne. Non j'ai rêvé. J'ai dû rêver. Ah mais t'es derrière moi toi, t'es où? Ah voilà, je te vois, c'est un épandeur. Ah c'est bon, je te vois. Oui, c'est un épandeur. Et... Oula, tu prends grand. Waouh, il prend grand pour... jamais. Alors... Et on a une petite question concernant la concession. Ah, la réponse est non. D'accord. dis-moi. Parce qu'on se posait la question, vous voudrez changer de benne. Ouais. Et comme on a vu qu'il y avait la campagne qui était sur le parc, on se demandait, est-ce que c'est possible d'acquérir le matériel qui est sur le parc ou c'est juste pour la déco? Bah en vrai, ouais. Et... Ouais. Non, je sais pas. Bah oui, mais pas... bah, du coup, à quel prix? Ah bah voilà, genre, on se fait une... Non mais genre, on se fait, comme on disait, une acquisition dans le chat à genre à moins 20%, pas à moitié prix, tu vois, mais genre moins 20, ouais, un truc comme ça. Ouais, une petite remise de parc. Après, voilà, la campagne, elle est belle, mais je crois qu'elle est un peu buggée, non, Hugo? Ah, bon bah, moins 50% alors. Ah ouais. Vous la prenez, vous l'essayez, et si elle vous plaît, vous la prenez et vous me faites pas. Attention, les gars, c'est une croisée dessus, hein, là, la campagne. C'est vrai, c'est une croisée dessus. Bah oui, après on peut la tester et voir ce que ça dit après. Ah bah, par contre. Après, elle est belle. Ah si, vous pouvez la prendre, mais la remplissez jamais à fond, c'est un conseil. Ah. Pourquoi? Ça part à côté? Du coup, ça fait.
Faut mettre des sacs, des pneus de run dessus. Faut mettre des sacs aux portes. Ouais, ça mûrit pas les champs. Non, ça, tu vas voir, tu vas glisser avec ta bénédiction. Ouais, en vrai, je crois qu'elle glisse. Ah ouais. Ah non, c'est 4 glisses. Ouais. Bon, bah, on va réfléchir alors. On va réfléchir, ouais. Réfléchir bien avant. Ouais, ouais, j'avoue, là. On va peut-être pas aller chez la campagne du coup. Bah, ouais, j'avoue, coup, ça motive moins là. Non, bon, on va voir. On va pouvoir la tester, hein. Oui, après, on pourrait la tester. Voilà, cette fois-ci, on en a pas besoin, mais dès qu'on en aura besoin, on verra, on testera, je pense. Ouais, ouais. Tester. Ah, mais attends, Rome, je vais faire une ration, moi. Ouais. En vrai, il y a plein de choses. On a le massel à faire. Il y a pas du maïs, c'est pas vous. Là pour le moment non, c'est pas prévu. Bah non, parce que là on en fait juste une mission de sorgho, c'est tout ce qu'on a de mûr, mais voilà. Ah oui, mais non, mais je pense que nous on va faire une mission parce que les champs mûrissent pas, donc bon. Bah ouais. Attends, j'accélère un peu le temps, 2 minutes là. Ouais, vas-y, vas-y. Bon, à mon avis ça passera pas, ça la fera pas mûrir. Ouais. Bah non. Ouais. Et vous pouvez dormir ou pas? Ah bah écoute, nous ça pose pas de problème, on a remis de... Non, c'est bon. On a remis du grain. Déjà il produit, donc comme ça au moins. Bah nous aussi les maïs c'est à 100%. Là Hugo, il s'est passé quoi? J'ai remboursé l'emprunt. Je viens de voir l'argent, mec. C'est passé. Eh ben on est pauvre, ça y est. Ah, c'est bon, Eric. Okay. Ah, mais maintenant, on a 2 milliards. Bah non, mais du coup, je vais... si on peut dormir, on dort, hein, si ça vous va. Bah ouais, bah... Au oui. moins, on a un peu de travail, parce que... Bah, ouais, vas-y. Déjà fait, hein, du trade. Nous, ça veut rien impacter, donc tu peux. Ça, je vais laisser les pendeurs là dehors, moi. Au concessionnaire. Et ouais, si vous voulez la benne, me prenez la benne. Ouais, on va regarder ça, ouais, dès qu'on en aura besoin, on testera, puis on verra ce que ça dit, si vraiment ça... Allez, on dort jusqu'à 8h. Ah, je vais me payer le mur, non, c'est bon. Oui. Ah oui. Oh, merde, je suis un gros con. Ah bon? Non mais... Hugo, le pulvérisateur, on l'a pas acheté. Ah, pour les promos? Ah bah, il va y avoir promo, ouais. Bah, il y est peut-être encore, hein. Attends, tu vois. Ah non. Si, il y est, t'as de la chance, il y est. C'est le navigateur. Ah. Ouais, t'as de la chance, il y est, le navigateur. Oh non, mon train il est poussé. Alors, je vais laisser les pendeurs ici au concessionnaire, moi. 3 mètres. On va prendre un mélangeuse. Si tu peux venir pulvériser déjà. Oh là, je l'ai fait... Ouais, il a failli me tomber dessus et le pulvé. Mais qu'est-ce qu'on a en location, nous? Qu'est-ce qu'on a en location chez nous? T'as l'argent qu'on a, quoi. Tu valisier. Oh, 1000 balles. 1000 balles, on a plus de thunes. On est fauché. Attends, je rembourse. On est fauché. Ah non, merde, je peux pas. Attends, est-ce que notre champ est mûr du coup? Parce qu'on a avancé le temps. Mais ça se trouve, je suis sûr que le soja il est pas mûr. Ça... Si, c'est mûr. Bon. Nous, c'est mûr. Ah, bon. Donc, c'est parfait. C'est on parfait. On va pouvoir avoiner. Non. Avoiner. Sorgorigé. Soja, avoiner. Voilà. Bon, à tout à l'heure, on va bosser. A plus. Yes. On va essayer. Ça. Ouais. Donc ça, on va tester la mélangeuse, les amis. Du coup, je laisse les pendeurs au concessionnaire. On viendra le chercher après parce qu'il faut qu'on aille pendre du fumier vers Rome là-bas. Du coup, je l'ai laissé sur le chemin du retour. Bah, moi, j'arrive à la parcelle, enfin. Ok. Bah, moi, je vais tester. Je vais faire une ration. Je vais faire un détourage et puis après, si tu veux me reprendre, tu reviendras faire un peu de moisson. Ouais. Bon, on va regarder la ration ensemble. Faudrait qu'on regarde. Au pire, si tu veux venir voir, enfin, si tu veux venir voir pour qu'on regarde ensemble. Là, je pense qu'il faut qu'on... De mémoire, cette mélangeuse, je l'avais... Ah non, c'était là un essieu que j'avais. Non. J'ai la même sur le... C'était là un essieu que tu as. Ouais, sur ma série, c'est là un essieu, mais est-ce que je l'ai pas pris sur une autre série, celle-ci, là? La deux essieux, là, non, je sais plus. Il faut qu'on regarde les ratios, là. Ouais. Là, je pense qu'on peut mettre une botte de paille. Alors, en fait, tu vas mettre une botte de paille, une botte ronde... Moi je dis. Attends, on va voir. Non, déjà ce qu'il faut mettre en priorité, c'est le foin. Alors on met une botte de foin. Il faut mettre 2 bottes de foin. Ça va pas faire trop? Non. Attends, j'arrive. Attends, comment je fais moi sur deux ma bottes de foin. Les gars, pour ceux qui utilisent celle-ci, si vous avez le ratio là. Et on complémentera avec le maïs. Bah c'est déjà, faut être sûr que... Deux bottes de foin et on complémente, on voit ce que ça donne déjà. Non, il faut de la paille, on est obligé de mettre de la paille. Oui. Et deux de foin, une de paille pour l'instant et après on prend du maïs et on voit ce que ça donne déjà dans la ration. Je réfléchis en même temps les gars, mais il faut que j'aille là-bas, le stock. Et s'il faut, bah, on rajoute une botte de paille s'il n'y a pas assez. Ce serait top une série avec vous trois, Chiffy, Tromagri, Rome Casa sur le 25. Bah peut-être, on verra les gars, ouais. De quoi? On verra d'ici là... Il y en a qui dit c'est... Ah bah écoute, pourquoi pas, hein. Salut le tonton, comment ça va le tonton? C'est Pascal. Pourquoi pas, on verra, oui, suivant, bon on n'y est pas encore, mais oui, ça pourrait être une chose à faire, effectivement.
Alors, je vais venir rater mon pic, je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'on a foutu du pic? Alors là, il est pas sur le toit. Il est pas sur le toit, c'est tellement logique. Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, mais si, il est à côté, c'est bon, je le vois. On va se mettre en 4. Allez, go. Merci aux plus de 300 personnes, les gars, d'être là. Merci à vous. Ouais, merci, bienvenue. Et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Alors, je vais venir. Attends, je peux pas me mettre en D. Et on peut toujours pas faire un champ de vision plus. Ah, alors, non, tu m'as dit pas. Quoi là? Attends, mais foin, il reste quoi là? Alors, attends, j'arrive, moi, j'arrive. Alors, attends, ah, elles sont là, je les voyais pas dans le noir les bottes. Et... Il en reste plus alors, beaucoup. Il va falloir qu'on fasse du foin. Ouais, deux bottes de foin déjà. Mais t'es sûr que deux ça va pas faire trop? Attends, oui, oui, oui. Non, non, si, si, ça va faire trop. Attends, les bottes elles font 6500 litres. Ah, c'est beaucoup trop. Alors, oui, 6500 litres. Parce qu'on a fait des grosses bottes comme des. Enfin, pas comme des abrutis, mais. Alors, attends, une déjà. Attends, on va déjà mettre. Ouais, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, les gars. Acheter un petit tracteur de 80 chevaux pour laisser sur la mélangeuse. Ouais, ça pourrait être une bonne idée, c'est vrai. Comme ça, je te dirai ce que ça va faire. Alors déjà, une de bottes, une de foin, une de paille. Pour voir ce que ça donne. Ok. Donc maintenant... Bah, mais une de paille, ça va pas faire trop, là. Bah non, non, non. Parce qu'on va après, on va compléter. Parce que moi, je sais que sur ma série, là, tu sais, je mets qu'une demi-botte. Ouais, alors dans ce cas-là, tu la laisseras juste au-dessus, sans la mettre dedans carrément. Ouais, je pense que... C'est tellement bizarre quand tu dis ça. Oui. Oui. Attends, mais elles sont énormes. Et les bottes aussi, là, elles sont énormes. Ouais. Bon, alors attends. Tu la laisseras, tu la mettras juste au-dessus. Ça, qu'on les garde pour pailler, c'est grosse botte. Attends, il y a les petites bottes à côté. Ouais. Non, t'en mets pas une complète. Tu la laisses juste au-dessus de la pailleuse, de la mélangeuse, pour voir ce que ça prend. Et je te dirai stop. Et après, on complétera avec le maïs sans silage. Ah, putain, mais j'appuie sur la touche du quick caméra, mais faut que j'arrête. Hein, il n'y a pas le quick caméra là. Non, il n'y est pas. Moi aussi, j'ai tendance à faire ça. Bah ouais, mais j'appuie sur les commandes. Alors attends, on va la mettre au-dessus. On va mettre une demi-botte. Alors vas-y. Voilà. Vas-y. De toute façon, dès que ça 50, encore, encore. Top. Impeccable. Et maintenant, tu complètes avec l'ensilage. Attends, la botte, je vais la laisser là. Ouais, là, tu vois, il faut bon après. Ouais, ouais. Et après, tu complètes avec l'ensilage. Alors, peut-être 2 godets, 3 godets. Parce que c'est un petit godet qu'on a. Bon, bah, de toute façon, le godet fait 1000 litres. Hein, donc, j'ai envie de te dire, on peut en mettre de largement 3 à mon avis. Salut, ta caméra est floue. Ouais, ah, non. Je sais ah, pas. Non. Non, non. Bah, ah, non, moi, c'est vois... mon débit. Après, ah, les gars, j'ai pas une connexion de, ah, bon de fou. Moi, non je plus, te vois très clair sur le téléphone. Hein. Bah, oui, sur téléphone, ça va, mais sur les grands écrans, apparemment, c'est un peu plus. Ah, d'accord. Donc je sais pas, moi je peux pas faire plus par rapport à ma connexion les gars, donc désolé. Hein, mais... Salut Mikado, salut à tous les amis. Salut Pascal. Le tonton. Le tonton, il est là. Salut mon Wallus aussi. Qu'est-ce ah, que t'as loupé mon Wallus? Bah écoute, un peu d'épandage de fumier, là on est parti faire une mission sur du sorgho. Voilà. Et on a acheté une mélangeuse, donc bah t'arrives pile poil pour la première ration qu'on va faire nos vaches. C'est voilà. Ça. Et salut Christophe. Tout est bien résumé. Et là on va ouvrir le silo. Je vais ravancer un chouïa. Hop. D'accord, ça elle n'a rien bien. Fait. Ah elle est bien, c'est bon. Elle est vraiment sympa cette petite vertigo. Ouais elle est top. Bah j'ai la... ouais, elle a un essieu, moi elle va pas mal. Hein. Ouais. C'est vrai que je la prends presque jamais celle-là, mais elle est vraiment pas mal. Alors moi je trouve qu'elle va ouais, qu'elle va bien, c'est du coup. Je crois que la deux essieux elle est plutôt jolie en plus en deux essieux. Ouais, 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 elle est vraiment stylée. La chute maker. Ouais, bah tu peux remettre bon, 3 godets. Hein. Bah oui, à mon avis. Ouais. Ouais, les godets de 1000 litres, ça fait un moment que j'ai. Enfin, sur mes parties, sur ma femme compose, ouais, le godet fait 5000. Qu'on fasse rajouter à Bastien les godets Flig. Fligel. Oui. Ils sont pas mal du tout. Ils sont pas mal, mais peut-être qu'il faudrait qu'on mette le chargeur sur. Et puis après, mettre le chargeur sur le massé ou je sais pas. Ouais, ouais. Ou alors on rachète un télesco. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Encore un godet. Pourquoi tu n'entends pas Stervio? Bah, parce qu'il n'est pas avec nous en vocal. Parce qu'il n'est pas avec nous en vocal, ouais. Il reviendra après. Je pense qu'un dernier godet, on est bon. Le loulou et Toto est à côté de toi, ouais. Ah merde, putain, je rentre dans le. Ah, je regarde le chat. Un tonneau. Voilà, tonneau. Un tonneau, hein. Ouais, Néo, il est couché il avec roule, moi. Ouais. Il roule. Là, il roule le tonneau. Bah oui, il roule. Ah, c'est bon. Ouais, mais faut blinder, non? Peut-être encore. Faut blinder. T'as combien ouais, en pourcentage là?
Non, non, tu peux. 22,7. Tu peux encore. Tu peux encore. 22,7, c'est-à-dire. Alors, non, pourcentage non, de... Total. Total, où est-ce que tu vois ça, total? Bah, le total en bas, tu sais, la capacité totale, t'as combien? Alors, attends. En bas. Non, mais en bas à droite, tu sais, vers le compteur de. Ah, pardon, oui, 65%, pardon. Ah oui, donc j'ai regardé les. On ouais, peut ouais, blinder. Bah après, faut pas que ça dérègle ouais, ouais, la ration. Mais... Non, vas-y, 70. Ouais, on peut en mettre au moins 5-6 godets, ouais. Là, c'est le combien? C'est le quatrième. On est bon au niveau. Quatrième, ouais. T'es à 70%. Ah, le godet de 1000 litres, j'avoue, c'est. C'est abusé. Côté du déchargement, ouais, bah on va laisser à droite. Je vais te le mettre à droite parce que tu vas passer à droite. Ouais. Voilà. Et là, on est à 75. 75, ouais. En fait, ça fait que 5% quoi. Chaque ouais, fois. Ouais, donc bah, je pense qu'on peut remettre facilement. On remet de la paille sinon. Ouais, mais attends. Ouais. Non, bon, on va l'ensilage. On a tellement d'ensilage, ouais, autant compléter par l'ensilage. Ah, ouais, ah oui. En général, c'est ce qu'on fait. On met plus dans. 80. Il est vraiment sympa hein, ce petit macet. Intérieurement, il est bien fait aussi. Ah bah ouais. C'est le mode de base, ça. Alors, est-ce que c'est celui de base ou un mode? Je sais pas que... Mais bon, oui, c'est le design de base de farming, quoi. Ah, je sais quoi, pas, parce qu'il y a un petit écran GPS. Je suis pas sûr que ce soit le mode de base à l'intérieur. Ah, ok. Ouais. Pas sûr. Je saurais pas te dire certain, si c'est un mode qu'on a ah, acheté. Ah, mais non, mais c'est vrai, il y a pas le clic caméra. Je voulais faire la vue intérieure avec le clic, mais non. On sait avoir à chaque fois. 84%. Oh, putain, mais j'arrête avec mais ce oui, mur, là. À chaque fois, je rentre dans ce mur. Je regarde le chat. Je recule pas, putain, ça moissonne à plein là-bas. Ouais. Oula, ça allez, c'est la même chose, hein. Bravo, Jupit. Non, bouge pas, sinon je vais pas arriver à passer ouais, là. Impec. C'est bon. 85%. Mais j'ai tout mis à côté, hein. Allez, on va mettre celui-là et vas-y, tu peux ouais, y aller. Bon vas-y, tu veux bon, le faire, vas-y, tu laisses... distribue, vas-y, je vais venir, je vais regarder ouais, quand tu distribues, voilà. Ah, t'inquiète. Okay. Là. On va regarder ça. Ah bah, je suis bloqué. Oh là. Mais, non mais c'est une blague. Ah, il y a la botte. Ah mince, ouais, mais... il y a la mélangeuse. Oh, c'est il y bon, a la pailleuse. Ah bah oh, attends, bah, attends, je vais la lever sinon. Ouais. Ah non, attends, c'est alt, côté mais droite, alt, oui, ça va donner à droite, donc c'est bon. Et t'arrives pas à pailler du coup là? Bah j'avais du mal à pailler, j'ai pas pu tout ah, pailler parce que ça prenait pas tout. Nourriture 0 litre, ah oui, c'est en orbite. Ce qui est chiant, c'est que la santé elle redescend à chaque fois. Alors voilà. Impeccable, c'est bon, ça distribue, nickel. Yes. Commence à sortir de terre. Bah, je vais reprendre un peu la main sur la moisson au pire moi. Bah vas-y, j'ai pas hein, commencé, elle est prête la machine, tu peux y aller. Ok. Tu peux détourer, tu peux commencer. Et alors attends, c'est le sorgho qui ouais, est en face vais... là. Ah oui, ouais, okay, ouais, c'est le sorgho, ouais, voilà. Impeccable. J'ai mis la main sur le côté pour l'instant, je te la rentrerai. Ah, tu m'appelleras si tu veux vider en roulant, enfin. Ouais, je t'appellerai. Après il y a le. Si tu veux aller continuer dépendre du fumier aussi. Si tu ouais veux. J'y vais après ouais. Impeccable. Ouais, sur la okay, grande parcelle qu'on a terminée la semaine dernière. Ouais oui, bah il y a celle-là à faire si tu veux. Ouais. Ok, bon bah voilà. Mec. Impeccable. Voilà. Il y a du ballonnement rester, dans la parcelle là vieux. Ouais. Ouais puis c'est une parcelle où on voit presque jamais donc Ouais j'avoue. Dire un peu la vitesse. Elle a 8, c'est pas mal. Bon, la mélangeuse, on peut l'arrêter. Vraiment qu'on n'a pas moissonné avec la machine. Ouais, c'est vrai. Vers l'entrée de la ferme, le nom du bâtiment, vers l'entrée de la ferme, je sais pas le nom du bâtiment. Ah, c'est un bâtiment que avait Bastien, ça, ouais, je sais vers pas. Vers l'entrée de la ferme, attends, je peux essayer de regarder dans la construction. Vite fait, abri, c'est lequel c'est qu'on a nos bottes de paille. Ouais, bah, ouais. Celui-là, on le connaît par cœur, c'est vrai, mais alors le nom, il est où? Bah, tu regarderas avec le nom qui est marqué là. Ça peut t'aider. Faut juste trouver. Il est au concessionnaire du coup. Je peux y aller avec ah, le massé directement. Vrai. Je l'avais laissé là-bas yes, pour prendre la mélangeuse. Okay. Oh, mais il est où le bâtiment là? Il est vert, je crois, de mémoire. Ouais. Bah, c'est dans stockage. Ça doit être dans stockage. Je crois qu'il est dans stockage. Ouais.
Il est pas dans l'abri? Ouais, c'est dans le bâtiment abri, quoi. Ou dans abri, ouais, ouais, abri, peut-être, alors. Ah, ah, c'est celui-là. Ah, mais c'est le Pax Tervio, ouais, non, mais... Ah, oui. C'est celui-là, voilà. Si c'est celui-là, ouais. C'est le... Bah, c'est je pense que c'est Bastien, je sais pas si... Peut-être qu'il n'existe pas en DL, c'est peut-être Bastien qui l'avait pris pour sa série, je sais pas, là-dessus. Ouais, à moins que ce soit un bâtiment du 19 qui a été... Bah, je pense celui-là, on le connaît par cœur sur le 19, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il a été refait pour le 22, mais c'est un pack... Ouais, je pense que c'est un de ces modes qu'il a converti, ouais. Ou... Je pense que c'est un mode qu'il a converti. Pour les besoins de ses séries ou quoi, je pense. Ouais, je pense. Désolé. Et impeccable, un peu de moisson. Ça fait plaisir de reprendre un peu la moisson. Mm. Non, une belle parcelle en pente, en plus. Là, je suis jamais trop venu. On est où, là? Ah, on est au milieu, d'accord, ok. Ah, c'est stylé, par là. C'est assez stylé. Oh, fais ta mieux. Il y a des bonnes petites parcelles dans ce secteur. Ah, là, j'avoue. Qu'est-ce qu'il faut? T'es toujours en journée... du matin, là? Ah oui, là, je prends... ouais, je prends à 7h du matin, ouais. Ah, ça fait des bonnes journées là, oui, j'avoue. Tout ça après, bah, je fais des séances de kiné en plus. J'ai fait une petite séance de kiné ce soir. Ah, bon, au dos. Non, c'est pas au dos, c'est au. Enfin, j'ai une contracture à un muscle. C'est la première fois que j'ai eu, du coup. Derrière l'omoplate, et ça me fait un point, mais alors, des fois, ça me fait super mal. Ah, bah, juste derrière l'omoplate. Ouais, et coup, c'est la première fois que j'allais. Et puis après, bon, après, ça m'empêche pas d'aller à la salle, ça me fait pas mal quand je m'entraîne et tout. Ouais. Voilà. Mais... Quand tu soulèves, ça te fait pas mal? Non, j'ai pas de douleur. En fait, ça me fait pas de douleur plus que ça quand je force ou quoi. Mais par contre, c'est quand. Pourquoi ça lève pas? Putain, il y a ma touche qui s'est désactivée de la. Pour que l'outil, enfin bref. Mais c'est surtout quand. En fait, quand je force pas, en fait. Enfin, quand je suis à rien faire, bah, j'ai un point qui apparaît. Mmh. Et surtout en position assise. Alors, c'est un peu bizarre, mais. Ah ouais? Ouais. Et. Ouais, apparemment c'est une contracture, une bonne contracture, et du coup, voilà. Bon, après, ça se travaille, après, il va te... Ah oui, bah là, c'est ce qu'on a fait il déjà un petit peu. Il va te l'enlever avec les séances, et voilà, il va te retirer. C'est ça. Moi, j'ai des petits exos à faire aussi en même temps, à la salle. À la maison. À la maison, à la salle, pour essayer d'y faire passer, tu vois. Et ouais, mais il m'y a touché un peu, là, j'avoue, ça gratte un peu aussi. Ah, bah, c'est normal, ouais. Ça c'est normal, mais... Ça, Ça travaille. Ah, il a appuyé là où il fallait, quoi. Eh oui. 43%. Allez, je vais aller prendre ça dans notre grande parcelle. Ouais. On va tester ça. Ok, Gilou, impeccable. Parfait, ça. Auto, format, bassin, pompier. Bah, c'est top, ça, ouais. Hop. Allez. Deuxième tour va passer, 50%, ça va y aller. J'ai vu aujourd'hui un convoi avec une X7. Oh. Ah, c'est les nouvelles, non? Les nouvelles, ouais. Ah ouais, elles sont belles ces bécanes, j'ai vu en photo là. Ouais, magnifique. Elles sont pas mal, hein. Elles sont plus belles que je trouve que les X9. Ouais, moi aussi je trouve qu'elles ont... Bah, c'est moins gros, quoi, déjà, que les X9. C'est déjà moins gros, ouais, ça c'est vrai. À part chez moi, des X9. Bah, c'est pour remplacer la série S, je crois. Oh, GG Jojo. Oh, merci Jojo pour tes 10 euros, je suis tous... Ah, non, je vais dire je suis tout seul, non. Je suis toutes les lives en jouant à Farming, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Bah écoute, merci du soutien Jojo, merci à toi. Merci de. Il y en a plein qui me regardent aussi en même temps qu'ils jouent et tout, donc c'est top. Moi aussi ça m'arrive des fois de jouer un peu. Et bah merci en tout cas, gros GG à toi, plein de pouces bleus, enfin pas plein de petits pouces sous son nom, les gars, je compte sur vous et merci à toi pour le soutien. Merci, bah John, c'est hier soir, t'étais en live Rome hier et du coup j'ai dû faire un truc. Mon épisode de demain, vite fait, et du coup, bah, en même temps, je matais ton live. Bon, je suis pas resté trop longtemps, parce que je n'ai pas rentré longtemps. Mais... Non, bah oui, non, mais c'est gentil, c'est passé déjà. Et en même temps, je jouais. On va dire, c'est du jeu travail, quoi. Je travaille, oui, je te comprends. Voilà, c'est du jeu et à faire les vidéos en même temps, donc c'est un jeu travail, quoi, pour moi. Vous jouez, les gars, moi, je joue et je travaille en même temps. Mais j'avoue, c'est ça. En même temps, c'est... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de métiers. Enfin, métier. Ah, moi je dis que c'est un métier. C'est mon deuxième métier, j'ai toujours dit que c'était mon deuxième métier, mais.
Mais type, bah, on a quand même de la chance. N'empêche que ça prend du temps quand même. Hein, que les épisodes, moi, c'est à peu près 1h40, 1h50 entre le tournage et le montage. Ah bah moi, c'est souvent... le fait déjà de ne plus avoir de live le dimanche, les gars, j'avoue, pour le moment, ça me dégage beaucoup de temps pour tourner mes épisodes justement la semaine. Et vu que je fais beaucoup d'heures à mon boulot, ça m'arrange bien aussi parce que ça me fait moins courir le soir. J'ai moins crevé aussi parce que tourner les épisodes le soir et tout, plus les montages derrière. Alors que là, souvent, ce que je fais, c'est que je tourne. À part là, il me restait un petit truc à tourner pour le domaine de barrière pour qu'il sorte demain. Et du coup, que j'ai fait hier, mais sinon, je tourne quasiment tous mes épisodes, plus du mardi et du jeudi, le week-end. Et comme ça, après, je suis tranquille pour juste à faire le montage les soirs. Au pire, mais ça prend moins de temps. Moi, tu vois, après le live, je vais aller mettre de la musique sur ma vidéo pour demain, puis voilà, ce sera tout bon. Et voilà, impeccable. Donc, nouvelle vidéo demain chez Rome et chez moi aussi, les gars, bien sûr. Le domaine de barrière qui revient avec des complications. Vous verrez ça demain. Oh ah, j'ai galéré. Je vais pas en parler parce que la surprise demain. Ah, gars, oui. Mais j'ai galéré. Oh non, vraiment. Décidément. Ça faisait longtemps que j'avais pas galéré comme ça. Non, mais il y a un outil que j'achète. Enfin, je crois que t'as résolu ton bug de prise de LED dans ta deuxième ferme? Oui, c'est bon. Bah, ça vient. Bah, justement, on le résout aussi en vidéo et ça venait bien de la cuve. Et avec la cuve LSFM, nickel. D'accord. Donc ça venait bien de la... J'ai testé de mon côté, je disais, bah, attends, je vais louer la cuve LSFM sans sauvegarder pour voir si j'arrive à prendre le lait. Et je prends le lait nickel, donc c'est bon. Par contre, du coup, j'ai donc dû racheter une cuve. Ouais, bah ouais. Mais au moins, on peut prendre le lait sans trop de soucis maintenant. On a perdu un peu d'argent, mais on sera vite oui. Résolu, enfin vite... voilà, vite comblé. Hop. Pourquoi je l'ai arrêté la machine? Elle se coupe toute seule, franchement. Allez hop, on va vider ça. J'ai reçu deux brebis, peut-être Olivier. C'est ça? On va dire c'est ça. J'ai quoi? J'ai reçu deux brebis. Deux brebis, ah. Pour le pack? Pour les manger? Ouais, j'avoue, je sais pas, ouais. Ah oui, c'est l'agneau de Pâques, là, oui. Bah oui. Oui. L'agneau. Ouais, du coup, les gars, ce week-end, en plus, il y aura pas de. C'est sûr qu'il y aura pas de live le dimanche parce que je fais un repas de famille de Pâques. Hein, donc, Ah bah, moi, c'est pareil. Donc, le dimanche, il y aura pas de live, c'est sûr. C'est... Puis bon, ça je sais pas forcément. Sûrement lundi. Voilà. Bah, moi. Peut-être qu'il y a moyen que je vous calme un live aussi lundi, on verra dans la journée, peut-être. Pas quand, mais parce que j'ai kiné justement, j'ai une séance de kiné à 15h. Il travaille le lundi donc, ouais, donc du coup, j'ai repris une séance le lundi de Pâques, mais c'est à 15h. Après, toi, tu lèves à quelle heure toi, Rome, à 17? Moi, ce sera 17h, ouais, ce sera comme les dimanches. Alors, ce sera le matin, moi, soit le à 13h30, peut-être si jamais je fais quelque chose, mais sur quoi je sais pas, peut-être pas forcément sur le domaine de barrière, mais peut-être sur autre chose ou. Peut-être faut que je vous tourne aussi des vidéos pour TikTok là, j'arrive. Ouais les gars, c'est ça que je voulais vous dire avant qu'il y ait le. On était arrêté par je sais plus quoi. Et sur TikTok les gars, on approche déjà des 7000 abonnés. Merci à vous. Et les vidéos où je présente la map à un point du Jura, enfin je présente. Je fais des petites cinématiques de la map. On est à 181 000 vues. Ah. C'est pas mal. Bon, TikTok ça a rien à voir, hein. C'est pas YouTube en termes d'algorithme de vues et tout, enfin c'est. Et sur la map de Masset où j'ai fait pareil un petit TikTok, on a 255 000. Ouais. Puis même sur mes petites autres vidéos que j'ai fait sur mes séries, là, sur les poulaillers de ma ferme françoise, on a quasiment 56 000. Sur le soir Amazon que je présente, sur le domaine de barrière, on a 15 000. Ouais, ça varie, mais et on approche des 100 000 j'aime bientôt. Déjà. Yeah. Et donc je vous prévois des petites vidéos TikTok qui changent un peu aussi. Il faut juste que je me chauffe à tourner ça. Et je vais essayer de vous tourner ça sur la map de Masset, de Palonnier, comme ça, si on fera des petits extraits sur la map et tout. Et au moins, vous kifferez, à défaut de l'avoir tout de suite, au moins, vous kifferez un peu de contenu dessus, quoi. Non, Franck, ça sera lundi soir. Lundi de Pâques. Hop, c'est là la sortie. Live lundi sur MudRunner ou ETS2. C'est vrai que TS2, j'avoue. Ah, ETS2, ça pourrait être pas mal. Ah, j'ai remis à jour des modes, en plus. Ah, t'as remis à jour. Ah, bah écoute. Oh, merde, je suis en train de... En train de me filmer sur TikTok. Ah bah on peut encore faire ça, hein. Je peux te les renvoyer, pas de soucis, je te fais un petit dossier. Mais si on live ou peut-être
Direction live. Toi t'es. Ah non mais toi c'est dimanche soir, t'es dispo toi ou pas? Dimanche soir, je serai pas dispo. Non mais moi c'est même pas sûr. PSG Web. Ah oui c'est vrai que. Ah oui. Ah, ah oui, et puis il y a pas le match aussi de un mercredi là, de Coupe des Champions. Ligue des Champions. Ah pas, bah, le pas encore, ça va revenir ah, au mois plus tard. De... Ouais, plus tard. Bah j'ai ouais. écouté que c'était un mercredi en tout cas. Ouais ouais, c'est avril. Donc je t'en voudrais pas si tu me... T'en voudrais pas, ouais. Si tu m'abandonnes ce soir là. Ouais, ce soir. Ok. Et ouais bah du coup, moi dimanche soir c'est pareil, je sais que je mange dimanche midi en famille, mais ça se trouve sera le soir aussi, donc... Mais bon, en tout cas, c'est que je veux pas. Si on fait un live ETS2 genre dimanche, je voudrais pas qu'on. Toi, après, sur live derrière, ça peut-être te faire beaucoup, quoi. Lundi, pardon, pas le dimanche, le lundi. Ouais, sinon, pour en refaire un, peut-être après, peut-être un jeudi soir ou. Ouais, on serait concale plutôt un jeudi soir, un truc comme ça. On essaie de remettre, à jour les bon, modes. Déjà, ce que je ferais, c'est que je t'enverrai le dossier avec les modes à jour. Ok, déjà. Parfait. Comme ça, t'auras pu qu'on mettra ça ensemble. Yes. Dans le bon ordre, et voilà, on aura déjà ça en commun. Impeccable. Et après, bon, on n'aura plus qu'à scaler la DAX. Voilà. Et GG Jojo pour tes 5 euros. Hey, merci, c'est quand les lives sur la ferme comtoise? Eh bien, écoute, je vous adore, bonne soirée, je vous regarderai la réduction. Merci, Jojo, merci pour tes 5 euros encore une fois. Ma ferme comtoise, ça va revenir sûrement, parce que Rome, tu live de vendredi soir? Oui, ouais. Là, ce sera... Non, mais c'est pas grave. Ce sera sûrement samedi matin, les gars. Ouais, sûrement samedi matin. Ou ça peut être genre samedi à 13h30. Je verrai. Ah. Soit le matin, soit le... Parce que le matin, des fois, ça me fait courir, j'avoue. Ah, j'avoue. Mais, mais c'est agréable, j'aime bien live le matin aussi. Il y a du monde et tout, c'est cool. Mais bon, je verrai. Enfin, soit le matin, soit 13h30, les gars. On continuera nos ensilages. Ah, mais c'est vraiment chiant, mon joystick. Là. J'ai plus ma commande de. Il y a un Bertou Ténor en pulvé à 13 341. Ah. Oh mais le pulvé on l'utilise pas, même le pulvé qu'on a non. on l'utilise jamais. Non, presque jamais j'avoue. Je vous avoue hein. Ah putain mais j'ai oublié plein de sorgho là, la coupe je passe de... Allez mais c'est chiant ça, je suis dessus là. C'est pas un outil qu'on utilise beaucoup j'avoue. Non j'avoue, autant sur les autres séries oui, mais sur cette série là oui. J'avoue le pulvé... C'est qu'au défaut on passe trop les nuits en fait, c'est-à-dire que c'est les mauvais arbres repoussent tout de suite derrière. Tu vas les pulvériser un champ. Genre un champ qui a récolté, t'as les mauvais arbres qui apparaissent derrière, tu vas les pulvériser ouais, pour voilà. les enlever, t'es non, sûr que ça revient non, derrière. T'as pas d'intérêt sur cette série. Non, franchement, enfin, ouais, j'avoue, puis c'est un peu. Bah, c'est de se dépenser de la. Pour rien, enfin, pour. Nous, qu'on joue pas plus, enfin, un réaliste sans plus, quoi. Ouais, y'a pas trop d'intérêt. Non. Ouais. C'est vrai. Enfin, je pense. Après, y'a peut-être qui aimerait, mais. Puis bon, le pulvé qu'on a, je sais que le pulvé qu'on a, il est pas fou. D'ailleurs, on pourra peut-être leur vendre d'ailleurs ce pulvé. Parce que... Ouais, j'avoue que ouais, il nous coûte de l'argent et puis. Ouais. Pas fou. C'est pas la joie comme pulvé. Enfin, j'ai pas vu le CTS, c'est un combien? 165, les gars. 165 le CTS, ouais. Ah, mais. Et je passe avec ma barre de coupe sur le sorgho, ça me le récolte pas, mais c'est infernal ça. Hein? Ça, sur le. Ah, c'est pas... Bah non, mais si je suis trop près du bord. Enfin, j'ai plus le poil dessus, mais farming, voilà. Ouais, bah farming, quoi. Là-dessus, c'est chiant. J'espère que sur le 25, il y a encore ça. Hein. Ouais. Parce que c'est bon. Il y a ça, tellement de choses qu'on voudrait sur le 25. Et on va voir ce qu'il y aura, les gars. Mais il y aura des choses, Il y a plein de choses d'en discuter l'autre fois, justement, de ce qu'on aimerait bien avoir, là, tous. Après, bon, ça va être compliqué. Faudra pas s'attendre non plus à un truc révolutionnaire. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, après, sachant que déjà qu'on a plus les anciennes consoles, ça peut quand même améliorer des choses. Voilà. Ah bah oui, j'espère que graphiquement... mais bon. Voilà, déjà, au niveau de ça. Et bon, je pense pas que le moteur change non plus. Le moteur graphique, donc bon, on verra, mais... Ah, ça demanderait un peu quand même. Bah, ouais. On verra ce que ça... Il l'avait déjà un peu changé pour... Oui, il l'avait un peu changé. Non, mais après, sur le 22, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait... Même si on reste sur la base qu'on connaît tous, entre le 19 et le 22, on voit quand même... On n'était pas dépaysés. Non. Voilà. Mais je trouve qu'il y avait quand même des nouveaux... Enfin, j'ai trouvé bien, moi, avec les villages ou des pierres, il y avait quand même de... Oui, des sons, les saisons aussi, des qui ont été activées. Le son des outils, le son des outils, tout ça, la physique encore qui a été améliorée, enfin, c'est mon avis. Je trouve quand même que le jeu avait quand même été pas mal amélioré, après. Bon, après, il y en a toujours qui vont dire que c'est la FS19 améliorée, que machin...
Mais... il y a quand même eu de l'évolution, on va pas se le cacher quand même, mais... On aimerait bien encore avoir d'autres choses... Oui Julien, je suis d'accord, ouais, mais ce qu'il y a c'est que l'automoteur dans la série Ma Femme Comtoise, l'automoteur, le souci c'est que vu qu'on est en loca... enfin, on est sur des bus qui détectent les mauvaises herbes, allez ça marche pas encore, putain mais je suis dessus bordel ça. Oh, ça me gaffe ça. Enfin bref. Vu que ça détecte les mauvaises herbes, que, voilà, enfin en fait on prend très très peu d'herbicides. Donc un automoteur, à part pour mettre de l'engrais liquide, ça pourrait être justifié, pourquoi pas. Mais vu qu'on met beaucoup d'engrais solide, l'engrais liquide, enfin le pulvé le mauvais, pour traitement des mauvaises herbes, en vrai, un automoteur, ça sert à rien. Ça sert carrément à rien. Alors vu que t'as le mot de précision, donc... Bah, avec le mot de précision, avec le bus sur le pulvé... Ah, non. Ouais. C'est... Oh, ça me rend fou ça. Oh regarde Rome, je vais passer dessus. Alors on va voir ça. Alors je me décale légèrement. Je suis un peu décalé. Mais regarde, là je suis dessus. Ah là ça me les prend. Mais c'est vraiment limite quoi. Bah ouais. Non mais ouais. Ah oui, ah oui, non mais vraiment ouais. Ouais, j'avoue le reste, ce sera pour les poules. Ce sera pour les pigeons. Ouais, bah, oui, oui. Tu veux que je t'avance la benne? Oh bah écoute, j'arrive vers la benne, regarde. Non c'est bon ouais, c'est ce que je vois. Je vais aller la ramener, ça changera un peu. La moisse batte, je vais peut-être la laisser là. Au pire. Ah, elle est belle, elle, quand elle est sale, cette bécane là. Ouais, magnifique. Oh, bah, cette machine là, je crois que ça a été une réussite aussi. Ouais, je vais voir si je peux pas faire un petit screen. Je trouve qu'elle est trop belle. Tu l'as vu le Gen 7 là que j'avais dans ma série là avec les écrans interactifs? Alors, j'ai vu la miniature de ton live, non? Tu l'as montré en live, non? C'est ça? Ouais. Là, ouais, j'ai pas vu. Les trois écrans sont interchangeables et tout. Mais c'est celui qu'on a là, non? Oui, c'est celui qu'on a avec les écrans interactifs à l'intérieur. Ah, mais les écrans sur les côtés? Les écrans sur les côtés et devant, l'écran devant aussi. L'écran devant qui change aussi. Tu peux mettre le GPS. Ah, ça non, mais c'est un autre mode. Ouais, c'est un autre modeur qui a rajouté ça au mode de Schnibble Modding. Et il a pu le republier le mode sans ouais, ouais. Ok. Je t'enverrai le lien si tu veux. Bah écoute, toi, tu m'enverras ça. Ouais, c'est stylé. C'est stylé. Alors, attends, je voulais essayer de voir si je pouvais pas faire une petite photo. Bah non, on a pas le follow me, on peut pas, Gilou, sur les parties comme bah ça. Oui, c'est ce qui manque. On peut pas, c'est ce qui manque. J'avoue, c'est vrai. Et ça, c'est dommage, ça devrait être corrigé pour le 25, ça, tu vois. D'avoir le follow me en partie peut-être, multi. Peut-être qu'on l'aura, hein. Peut-être pas. J'appuie sur mauvaise touche, voilà. Peut-être pas, mais je sais pas. Non, moi j'en sais rien, peut-être. Hein. Ça pourrait être une bonne surprise, ça pourrait être top. Ouais. C'est vrai que ça manque en multi, j'avoue que des fois ça pourrait être sympa d'emmener tout le matériel en même temps. Quoi. Bah ouais, surtout quand t'es tout seul. Quoi. Bah oui. Alors attends, il faudrait que je passe de l'autre côté plutôt. Il y a une route là-bas derrière. Ah oui, il faut que je reparte là-bas moi. Oui. Alors attends, demi-tour toute. Parce qu'on vend du coup vers nous là-bas, ouais. Ah oui, j'avais pas regardé où on vendait. Non mais c'est bon, on vend, ouais, ouais. Bon, après, on était pas loin non plus d'autres points de vente, ça aurait pu se faire aussi. Ouais. Oh non, il manque pas grand chose. Bon, bah c'est tout, retour à la ferme. Allez. Bon, j'avoue, allez, les gars, par contre, je mets pas les giros, hein, excusez-moi. Ah bah si, il y a les giros. Ah bah les giros, ils sont toujours... Bah non, mais les gars, les giros dans le studio restent activés, je sais pas pourquoi. Alors que sur le tracteur, ils sont pas activés. Là, je les active sur le tracteur. Oui, dans le studio, ils tournent. Mais je les éteins. Ils attendent toujours dans le studio. Il y a une latence. Ils ont dit qu'ils offraient la cabine avec le 25. La cabine du tracteur? Ouais. Ah ouais. Je pense qu'on en ferait. Moi, elle passe pas dans la chambre. T'imagines le truc? Après, on verra ce que ça dit, mais. Il y a moyen d'avoir un bon jeu encore, on verra. Oui, bah oui, bien sûr. Où ce sera, s'il y a un jeu... Il y en a qui parlent d'un système d'histoire, apparemment. Ah non, je rentre dans Castelnau le village, là. J'ai pas pris la bonne route. Un système d'histoire? Ouais, avec une histoire, en fait. Un peu comme ceux qui connaissent... moi, je connais surtout sur ce jeu-là, mais... en fait, comment on appelle ça? C'est sur F1 24. Mais putain, mais je passe où là? C'est pas du tout la route. Non, mais je suis parti où là? Mais non, bah ouais, je me suis trompé. C'est sur F1 23 ou 24 où t'as un système d'histoire. En fait, tu joues le rôle d'un personnage.
Et t'as une histoire avec des missions à faire et tout, autour, avec beaucoup de cinématiques et tout. Il y en a qui parle de ça, un système. Alors, sauf que tout le jeu sera pas tout le temps comme ça, hein. C'est qu'un système comme ça. Oui, tu aurais un mode où tu pourrais. Ouais. Et après, ça pourrait être sympa à tester, à faire. Aventurier ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est un système d'histoire où tu dois faire des missions. En fait, prends l'exemple sur F1 23 ou 24, je sais plus, sur le jeu de Formule 1. En fait, tu joues le rôle d'un jeune pilote qui doit monter en grade et tout. Et t'as des scènes. En fait, t'as un rival dans la. Qui est un pilote qui n'existe pas, tu vois, mais c'est des pilotes inventés. Et tu dois le battre. Il y a des péripéties. Il y a beaucoup de cinématiques lors d'un Grand Prix. T'as un accident, t'as des machins, des accrochages. Et en fait, et à un moment, tu joues, c'est toi qui joues et tu dois, genre, finir dans les 5 premiers, dans les, tu vois. D'accord, ok. C'est une histoire, en fait. Des petits challenges quoi. Ouais, puis ça prend ça vraiment un truc d'histoire en fait. Alors, apparemment, il y aurait un système comme ça qui pourrait être pas mal parce qu'on beaucoup de jeux font ça. Alors, est-ce que farming, il y a moyen de faire des choses pas mal, je pense. À voir, hein, mais. Ouais, oui, ouais, c'est clair. Bon, le mode Breaking Pot. Voilà, cherchez le mot. Merci, Léandre. D'accord. Le mode Breaking Pot, Breaking Point, pardon, je vais y arriver. Ouais. Comme sur F1, donc. D'accord. Mais c'est des suppositions. Enfin, c'est. Voilà. À voir. À voir, ouais. Mais en tout cas, les gars, c'est sûr, FS25 sortira, ça c'est sûr. Oui, ça je peux certain. Vous le dire, de source sûre. Voilà. En plus, on risque d'avoir du beau matériel parce qu'il y a la Farmcom qui est chez Fent quand même. Oui, aussi. En plus, ouais, donc il y aura sûrement le Gen 7 qui sera le 700 qui sera sûrement de base. Il y aura, je pense, beaucoup de véhicules. On verra les licences et s'ils ont d'autres licences de marque. Peut-être des nouvelles. Bon, après les marques, j'avoue, ils commencent à avoir beaucoup de marques hein, maintenant. Bah, ce qui manque, c'est beaucoup de marques de Ben quand même. Hein. Oui, après, c'est vrai qu'en marque de tracteur, ils ont un peu tout maintenant, je pense. En tracteur, maintenant, je pense qu'ils ont quand même Je un sais peu même tout, pas quelle, quelle marque il n'y a pas en vrai. En marque de Ben, il manque Mopu, il manque Littoral, il manque la campagne, il manque quand même des. Ouais, mais ça, c'est des Ben françaises, ça, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est... je trouve que quand même pour un jeu comme ça. Eh mais pour nous, mais tu vas genre en Allemagne, des Ben la campagne, t'en as pas tant que ça. Hein. Non, j'avoue. C'est ce que je veux dire. Nous, ça nous parle forcément, tu vois, mais... Oui, mais tu regarderas sur le jeu, il y a beaucoup de Ben quand même que tu peux retrouver en Allemagne, de base. Ah bah oui, parce que c'est le jeu est plus allemand, t'as les Ben Figel. Ah oui. Voilà. Oui, bah oui, parce que le jeu, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et quand tu vois les sommes qui demandent le jeu, non mais le... les sommes qui demandent aux marques pour être dans le jeu, les gars... Le jeu, ce qu'il demande, c'est ahurissant. Vraiment. Ah, ça, contre, donc je peux comprendre qu'un jeu, enfin qu'une marque ne veuille pas mettre autant de sous là-dedans parce que certes, ça te fait de la pub. Après, c'est une vitrine hein, quand même. C'est une, vitrine. C'est une bonne Après, vitrine, mais les... sachant que tu as des modeurs qui font des mods et tout par la suite. Oui, oui, bien Après, tu as des marques, tu vois, comme Emily, comme, Sodimac. Tu vois, ils font appel à Bruno d'Univers Simu, ils font un pack de mods. C'est pareil. La visibilité est la même, hein, au final, et c'est gratuit, quoi. Enfin, après, peut-être que Bruno est payé pour les faire, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Mais il paye pas le jeu, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et le jeu. Ah non, mais Sorgo, c'est pas là. Mais pourquoi ça va de l'autre côté? Parce que je parle en même temps, les gars. Non, mais les marques, les gars, les sommes, c'est des sommes à 6 chiffres. Hein. Oh la vache. C'est des sommes à 6 chiffres, et ça, c'est sûr. Ah ouais. Et. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est. Moi, pour moi, c'est un plus un. Un procédé donnant-donnant, quoi. Le jeu bénéficie des marques pour être dans... Donc c'est top. Et marques, ça leur fait un peu de visibilité aussi. Mais enfin, clairement, c'est pas parce que tu joues avec un fan... Dans... Je pense qu'un gars qui joue qui est agriculteur, qui joue à farming, parce que j'en connais comme mon oncle aussi, qui est agriculteur, qui joue aussi à farming aussi, enfin voilà. Il joue à farming, il prend un Fent Gen 7. C'est pas pour autant, je pense, qu'il va se dire « Bon, bah je vais acheter un Fent Gen 7 parce qu'il est bien dans le jeu. » Demain, je vais quoi. À la concession et voilà. Bah ouais, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est un outil... Bien sûr. Ça, c'est pas là non plus. Ah si, c'est là, pardon. Non. Tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est pas un outil de décision, quoi. D'aide à la décision. d'achat. Oui, oui. Voilà. Non, mais c'est sûr. Bah oui, parce que tu peux pas tester un tracteur sur farming comme en vrai, quoi. Donc, on est bien d'accord. Eh, mais attends, ça m'a vendu les revenus de récolte. Mais la mission, elle a pas avancé, là? Attends. Comment ça? De toute façon, c'est bien là. Bah oui, Sorgo, c'est là. Attends. Bah si, c'était bien là, il y avait le point. Attends, mais elle est où ma mission? Bah ça m'a mis revenu de récolte. Ta parcelle était finie? Bah oui. Attends, mais c'est où les contrats? C'est là. Actif. À 80%. Ah non! Ah, mais attends, c'est quoi ce délire?
C'était au moulin à grains. J'allais emmener. Ah ouais. Bon bah. Mais attends, mais le moulin à grains, mais. Tu y es, moulin à grains, c'est juste à côté. C'est oh putain, c'était là. C'était mais ça, oui. C'était. Mais il est où? Mais oui, où t'étais? C'est où t'étais? Mais là, il faut l'arrêter. Non, mais là où t'étais? Mais là, ça me. Là? Mais non, c'est l'huile là. Non, non, ou là où t'étais au tout début quand t'es arrivé, où t'as dit que c'était pas là que tu vidais. Allô. Là, en face de toi. Mais c'est de l'huile ça. Oui, monsieur Stervio. Oui, oui. Qu'est-ce oui. que ça fait? Ah bah ça fait que j'ai vidé au mauvais endroit la benne pour la mission là, parce que. Non, non. Mais non. Et c'est où le moulin à grains aussi? Mais c'est quoi ce délire là? Mais attends. Bah le moulin à grains c'est là où tu es, là où t'es. Ouais, c'est ça. Bah, c'est oui. où t'étais au début. Oui. Je suis teubé, moi, mais... c'est pas possible. Oui, non, je mais suis là, teubé. Va à gauche, là, c'est à gauche. Ouais, mais le moulin. Mais là, c'est du. J'ai du sorgho dans la benne, là, c'est les huiles. C'est pour faire l'huile, là. Attends, comme ça. À... Et, ça et ça prenait pas. Ça prenait pas, c'est là. C'est là où je suis, c'est là. Oui, c'est là, voilà. Moulin à grains, c'est cet endroit. Oui. Oh putain, j'ai vidé à côté, moi. Ah ouais, je te fais baiser. Là, c'est. Ouais. Mais non. Mais c'est pas possible. Mais bah, au pire, remplis ta benne. Grave, tu refais F12. Ouais, mais attends, faut que je m'enlève les sous de la récolte parce qu'il faut qu'on s'enlève les sous là. Alors attends. Mais ça veut pas bugger. Du coup, ça m'a compté ça la thune, moi. Ça va pas faire bugger la mission. Oh. attends, au pire, je remplis la benne. On est à combien? 80 bah, nous, alors, je vous le dis. Oui, on vas-y. Les châtaignes. Oh là. Ah, oula, ça y est. Oh là, les châtaignes. Mais, nul. Non, en vrai, c'est juste que c'est très très long et c'est chiant. Ah bah ouais, c'est. Et on sait que t'es patient, toi, sur le jeu, on le sait pourtant. Ouais, c'est le problème. Ah bah après, t'as testé. Moi, j'avoue, ça a peut-être pas donné envie de tester, nous, mais. On a ramassé 500 kilos coup... et Hugo, il vient avec une benne 3 essieux pour vider 3 châtaignes dedans. Donc... La benne, elle est pas pleine, je le dis. Mec, avec ça aussi. Non, je sais plus combien on avait de litres. Combien on avait de litres dans la benne? Ah oui, du coup, la benne la campagne, t'avais 80%. Non, du coup. Ah oui, 80%, mais 80%, mais ça me dit pas le nombre de litres, ça. Attends, 80% de 18 000, elle fait 18 000 litres, ça. Oh, tu fais un peu plus. Oh là là, quand on lève en arrière. Tu veux que je te dise, j'y vite. Ah bah, je veux bien, attends, 18 000, sinon je fais pas 80%. T'avais 16 000, non, 14 260. Ah, merci. Voilà. Non, mais alors, ça les rondes en plus. Merci qui? Merci, Stan. Merci, Stéravio. Impeccable. Bon, allez, je teste à côté, du coup. Allez, j'espère que ça va marcher là. Ah non, je crois pas. Est-ce que ça va marcher? Ah sinon, allez, tant oh, pis. Normalement, oui. Ah là, je peux vider aussi. Ouais, mais à côté donc là. Voilà. Ah si, ça a l'air de. Ouais. Si, ça avance, c'est ouais. bon. Bon bah, on a changé de PV au fait, nous. Ah bien. Oui, vous avez racheté un. Bah, c'est celui en occasion. Oui, celui qui était d'occasion tout à l'heure. Ouais. Ouais, attends, ouais. Combien j'ai vendu là? Combien de longueur de rampe? 33. Ah, pas mal! Bah, on avait du 28, je crois, Hugo, je crois, il me semble. Mmh, et on est passé ouais. à 33. Voilà. Bah, prochain... nous, on va le revendre le nôtre. Oui, bon, nous, c'est un pulvé à main, tu sais, on ira plus vite avec un petit pulvé, un petit 5 litres, là, tu vois. C'est 410. Attends, je vais m'enlever la thune, là. Nous, on va faire ça au Vermorel, plutôt. En cas, j'ai trouvé une technique pour ramasser plus vite, man. Tac. Ah, voilà. Quoi, la technique? Oula. Attends, je regarde si ça marche. Attends. Ah, ouais, ça marche. Allez hop, c'est parti. Attends, j'arrive. Non, non, viens pas, elle est pas très catholique. Ah. pas... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah mec, tu m'as dit de récolter, moi je récolte. Hein. Il... Qu'est-ce qu'il fait? Il abat tous les arbres. c'est clair. Bon, techniquement, oui. Hein? Mais il est accouché. Bon, oui. c'est plus facile pour moi, ça, les récupérer. Pourquoi il y a un trou dans la carte, là? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Bah, je suis en train de récolter là. Les châtaignes. Mais bon. Mais il découpe les arbres, là, tu vois. bah non, ils sont toujours là. C'est impeccable. Bah non, mais t'inquiète pas, en fait, c'est juste une technique. C'est cool. Attends, la technique. Là, t'es prêt? Du coup, la mission là, elle est finie. C'est con qu'on oui. avance qu'à 5. Regarde, tout t'embêter. Là, tu vas là, tu fais comme ça. Ah ouais, tu vois. Et voilà. Voilà, et attends. En fait, il faut prendre de vraiment ouais, bon. Que... attends, bah attends, il faut que. T'as pendu, Rome le fumier là, c'est bon? Il reste hein, juste un petit bout. Tout petit bout. Ouais, on va voir que ça marche que dans un côté. Oh non, ça marche que dans un côté. Oh non. Allez, mine. Bah, j'ai récolté quand même une tonne comme ça. Et au niveau du voilà. Bah, ouais. Attends, regarde, viens voir, je vais te montrer. Ah non, attends. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On ramasse les châtaignes, mais avec sa technique. Ah, j'ai pas l'impression qu'elle marche. Si, elle marche. Et je l'ai fait là, sur la ligne. Mais y'a pas un truc de parapluie, un machin parapluie pour ramasser si. Ah, si, ouais.
C'est ce qu'on a. Ah. Mais fais X ou coup, t'as un truc de. Mais non, mais ça marche pas. Voilà, les poules, merde, les poules elles sont pleines. Les poules sont pleines. Là, là, toi, ouais. Elles sont enceintes. Je pense que c'est le côté que je me suis mis tout à l'heure. Attends, je vais remplir la benne là comme ça. On va remettre une grande poule. Ouais, allez, c'est bon. On avait du rap dans la mission ou pas du tout? Non, il n'y avait pas hasard, les gars, non. De grain. Qu'est-ce que tu veux dire, homme? Il n'y avait pas du rap dans la mission de grain, non? 1 500 euros, on avait. Mais on n'a pas de rap de grain dans la benne. Enfin, je veux dire, t'as tout vidé. Ah, j'ai tout vidé. Ouais, mais j'avais pas le temps. 1500 balles, c'était. Mais bon, ça remarche! Évidemment, quand je suis parti. Ah ouais, bah attends, il fallait que je me recalibre. Que je me recalibre. Recalibre. Allez, on recoule ça. On et vous savez, c'est quoi? C'est de l'avoine, ça? Vous faites là? C'est de l'avoine? Soja? Non, du soja. Là, ouais, pourquoi ça veut pas vider là? Ça paye bien ça? Ouais. De quoi? Le soja? Le soja, soja, il paye bien? J'en sais rien. Eh, on en a en stockage du soja en plus. J'ai pas vidé la benne encore. J'arrive. Tu vas vider en roulant, est-ce que ça paye? Est-ce que ça paye? Bah, le soja. Après, les châtaignes, c'est 3500 les 1000 litres. Donc, on est pareil. Voilà, le soja, c'est bon, t'as 3500 euros et faut qu'on le garde. Hein. C'est bon, j'ai rempli la machine. C'est vrai déjà? T'as fait avec F12? Non, j'ai fait avec ma technique. Ah, par contre, on il faut une masse. Le BPREA. BPREA début avril, les amis, je pense. Ah, t'y attaques, ça y est là. Ça y est, c'est un vieux à l'école. À l'école. Retour sur les bancs d'école. Et oui. Je vais peut-être aller des chômeurs. Non, on peut se mettre en direct avec une semoire, non? Ça marche là, du coup. Attends, oui. Oui. Sans là, je vais l'atteler, puis on va aller semer. On va semer, non? On a le temps de semer là. Laine. Pourquoi les yeux disent que c'est plein alors que c'est pas plein? J'avance un peu le temps juste pour que les poules elles puissent pas prendre. Bah, ils me disent que c'est plein les poules, mais c'est pas plein. Ouais, c'est bon, parfait. Bon, allez, on parfait. Revient. Yes. Ouais. On va travailler un petit peu. Ouais, ça changera. Allez bosser un peu. Oh, bah oui. On met du blé ou de l'orge, Rome, là. Ouais. Faites pas de fourrière. Ah, bah, ils sont partis. Ils sont non, partis. Mais c'est un ouvrier qui est dans la moissonneuse, c'est pas eux? Oui, c'est l'ouvrier. Tu parles à l'ouvrier. J'étais en train de vider l'ouvrier et je me dis, mais pourquoi il fait pas de fourrière, le mec? Il parle à l'ouvrier depuis tout à l'heure. Mais je parlais à l'ouvrier, mais c'est clair. Mais oui, je comprenais pas pourquoi il faisait pas de fourrière. Putain. J'avoue. Au début, moi aussi, je croyais qu'il parlait. Je les voyais tourner, je dis, mais ils sont là vers nous. Et après, j'ai compris que c'est l'ouvrier. Au moins Hugo dans la moissonneuse ou voilà quoi. Est-ce que ça va semer là? Je pense que oui, les gars, on va y aller comme ça. Mais pourquoi ils ont pas fait les fourrières? C'est bizarre. C'est bizarre, mais comment ils travaillent? Ouais, c'est clair. Allez, on sème. Est-ce que ça sème? Hein, mais. Mais j'ai pas de la semence, les gars, dans le. Dans le semoir? J'ai pas fait gaffe. Ah, mais j'étais persuadé d'avoir de la semence, il me semble avoir vu qu'il y en avait. Ah ouais? Bah, je suis à 0 litre. Et on en a à la ferme en plus? Bah, remplis-le avec le RE, puis on se les enlèvera. Et puis on s'enlève la thune. Oui, attends, mais je vais être sûr de pas avoir déchargé la palette sans faire exprès là-bas. Attends, je suis capable. Ah là-bas? Je suis capable, les gars. Tourne, Jupiter. Allez, l'ouvrier là! Pêche-toi. Non, parce que moi je suis capable d'avoir vidé là, d'appuyer sur CTRL I. Ah bah, si, j'ai un sac de semences là. Ah bah ouais. Si, je l'ai vidé, déchargé, les gars. Ah mais attends, on a plein de sacs, je vais remplir. Ah bah oui. Bon, je vais remplir comme ça, les amis, ça va plus vite. La parcelle était pas très très loin. Putain, donc ça mais va. Qui faut être con. Ah mais c'est sûr. Bruno, il stream tous les jours sur Twitch. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, il aime bien streamer sur Twitch. Ouais. J'aimerais bien sur TikTok, moi, parce que je veux qu'il y ait pas... En fait, il y a pas mal de monde sur TikTok aussi qui stream et tout, ça apporte beaucoup de monde... Ouais, en après, abonné, mais bon, après, je sais pas. Mais bon, je préfère faire des petits. Fais gaffe au réseau. Ouais, puis TikTok, ouais, c'est pas les mêmes. Enfin, TikTok, il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes aussi, qui me suivent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Et des, comme disait Bastien, c'est des personnes qui, des fois, qui sont pas du tout du milieu agricole et qui débarquent tu sur ton live comme tu ça. Tu feras ce que tu veux, mais je suis pas. Voilà, je suis non, pas... non, mais. C'est que j'ai vu qu'il y en a qui live, mais. Des petites vidéos, ça suffit. Je pense que ce que tu fais, c'est très bien. Exactement, de toute façon, je peux pas faire plus. La vidéo que tu fais, que tu proposes, c'est très très bien. Voilà. C'est original, c'est. Voilà.
Est-ce que ça va semer là? Ah oui, là ça sème. Impeccable. Ah, on n'a toujours pas le GPS sur le tracteur. Hein. La grande parcelle sera refertilisée, comme ça on est partout. On est bon. On est bon, on impeccable. On est tout bon. La texture du maïs, les gars, c'était de base sur la set de la map. Oui. Sur la map de Quentin, hein, sur le Castelnau, elle est comme ça et on n'a rien touché. Non, elle est comme ça. Après, il y a des techniques qui font, mais je sais même pas y faire. Bon, ça doit pas être bien compliqué, il paraît que c'est pas non plus. Ouais, bah après, il faut s'y connaître un peu. Bon, j'arrive déjà à modifier le nombre de places dans le poulailler là. Faut que je m'y attelle à y faire ça. Oh, ça, c'est des petits XML, c'est facile à faire. Mais c'est dans quoi ça? C'est dans le. Donc, t'ailles dans le bâtiment, dans ton... tu cherches la ligne. Je dézippe le mode du bâtiment. Et après, faut que je cherche la ligne place. Tu cherches, place, ouais. Et après, il y a le nom. Ouais, je sais plus comment c'est. De toute façon, je vais bien voir le nom. Ouais. Tu verras, ouais. De toute façon, je vais bien voir le nombre de marqués, donc. Du coup, je pense qu'on va le monter, les gars, par rapport au retour que j'ai eu sur ma ferme comtoise. Ah bah là, ça marche le joystick, bref, pour moi. Regarde. On va sûrement monter les poulaillers, de les passer de 500 à 1000. On va le doubler, comme ça on aura 2000 places avec les deux poulaillers. Je pense que c'est pas mal et vous étiez plutôt chaud dans les commentaires. Il y en a beaucoup qui sont venus me dire ça, donc je pense que c'est un bon compromis. Voilà, on a quand même des poulaillers assez conséquents, mais ouais, c'est pas non plus trop cheaté, parce qu'il y en a qui disaient plus ça va être trop cheaté. C'est vrai que ça peut être un peu trop cheaté, mais maintenant on a des prix qui sont pas non plus hyper élevés, hein, donc. Des prix de vente, c'est pas des prix de vente en facile où t'as des prix de vente à 5 000 euros la palette ou quoi, tu vois. Donc bon, c'est cheaté sans être cheaté non plus, quoi, c'est plus difficile. Voilà. Tu peux expliquer comment il faut faire pour avoir le maximum de rendement? Ben ça, c'est avec le mode précision, faut que tu fertilises, faut que tu apportes de l'azote et que tu remontes ton pH sur tes parcelles. Ouais. Voilà. Et là, t'auras du rendement, mais alors ça se fait pas en une fois, ça se fait en plusieurs fois, bien sûr. Donc, et en fonction aussi de la culture que tu implantes. Voilà. Il y a ça aussi. Exactement. Oui, ouais, il y a plein de choses à prendre en compte. Ouais. Voilà, ouais. Même moi, je suis pas encore. Enfin, je suis pas le meilleur là-dessus, je pense. Mais bon, petit à petit, on y arrive. Mais je pense que précision, d'ailleurs, il sera sûrement de base sur le prochain FS. Ah, ça serait vraiment bien aussi, ça. Je pense qu'il y a moyen qu'ils le mettent. Ouais. On a eu les saisons. L'année dernière. Enfin, sur celui d'avant, on disait que. Ça me paraît très logique. Voilà. Mais bon, on verra. Et après, bah, tu le mets ou tu le mets pas, mais voilà. Oui, après, tu vois, toujours avec un moyen de désactiver comme là on fait. Hein. Voilà, les saisons, on peut les désactiver facilement. Tu désactives, pareil, c'est assez facile à faire. Si les modeurs le font, je pense que. Il y a moyen quand même de le faire. Elles vont être tassées, les poules. Oh non, les gars, ça va le faire. Ouais, ouais. Salut Grégoire. Bon, bah, allez, salut Louis. Impeccable. Oui, il est bien ce petit Pérard, c'est rare que je l'utilise, mais très bien. Ouais, il est top, hein. Ouais. On va faire deux tours, ce sera mieux. Bon, attends, je vais leur vider le rouvrier parce que... Par contre, le gyrophare, il reste tout le temps allumé, là, c'est chiant. C'est un truc de malade, ça. C'est super agréable. La machine, elle tourne toute seule. Ah, mais l'ouvrier? Ah oui, non, ouais. Mais... Ah bah eux, de toute façon, c'est ça. Ils sont comme ça, les loulous. Impeccable. Après, je mettrai peut-être l'ouvrier, les gars. Je vais juste faire deux tours pour que l'ouvrier soit pas trop perdu. Et ensuite... Ça va, David et toi? Salut, Julien. Salut, David. Salut, Julien. Ah, donc là, petit live, c'est quel ordre? 1h49. Ouais, là jusqu'à 22h10 à peu près, comme d'habitude. Hein. Voilà. Comme d'hab, ouais. Puis après, faut aller se coucher, faut se lever tôt demain encore. Ouais, bah moi, il faut que je termine mon montage. Et puis toi, Rome, faut que je te libère aussi, donc j'avoue. On va pas abuser ce soir non plus. On va quand même semer la parcelle. On aura bien avancé là. Top. Ouais, je vais on va ressemer toutes nos parcelles. Alors, je vais mettre l'ouvrier. Voilà. Il va se débrouiller normalement. Il va réussir à se débrouiller. Faudrait le plomber, doit être labouré. Ah, j'avoue, il doit être labouré, on aurait pu labourer avant. Mince. Ah, faudrait qu'on laboure dans les autres parcelles. J'enlève le massé ou pas? Ah, c'est que tu moissonnes?
Non, non, mais j'étais en train de remettre le ouvrier comme il faut. Comme parce il faut. Il faut le remplir, l'épandeur, non, tu veux... non, tu sais que t'avais fini. Il est terminé, l'épandeur, ouais. Est-ce qu'on mettrait pas la charrue sur le massé? Bah ouais, carrément. Comme ça, si. Bon, il aurait peut-être mieux fallu mettre le fen dessus, mais est-ce qu'on a quoi comme charrue déjà? On en a une, c'est sûr. Alors là, je me rappelle plus du tout celle qu'on a, alors, tu vois. C'est sûr qu'on en a une. Oui, oui. Oui. Bah, je pense. De mémoire, il me semble que oui. Ouais. Et attends, ça, j'ai sérieux, c'est rajouté 10 000 euros. Ah, bah, il a bien raison. Il a bien raison. Si on pouvait faire comme ça dans la vraie vie, se rajouter 10 000 euros dans le compte. Ah, ouais, comme ça. Il n'y aurait plus de soucis, hein, je vous le dis, moi. Mais bon, après, quand, imaginez, on peut faire ça, les gars. Je pense que ça foutrait plus le bordel qu'autre chose. Mais... Ah, ouais. Mais. Bah, il n'y aurait plus de limite, quoi, en fait. Tout le monde serait riche. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ce serait plus. C'est différent. Impeccable. Alors, est-ce qu'il y a besoin de... Non. Bah non, je vais passer là-bas. Tu pourras checker l'ouvrier, Rome, si j'ai arrêté ouais. de côté. Ouais, ouais, ouais. Impeccable. Moi, j'avais commencé de labourer un petit peu là. Pour... Voilà. Allez, comme ça, l'ouvrier termine. Et c'est bon. Bon, voilà, alors, Attends, j'y vais, mais ça se trouve, il n'y a pas besoin de labourer la parcelle où je veux aller. Et je vais checker. Semaine prochaine, on fera sûrement du foin. Ouais, ça va, il gère. Enfin, Madame gère. Ouais, Madame ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut refaire du foin, ouais, absolument, ouais, parce que on va être complètement à la ramasse. Ouais, on va peut-être labourer. Tac. Ah bah si, il faut le labourer le 21, bon, c'est bon. C'est celui-là où je voulais aller. Non, mais elle gère nickel, ça va. Je vais replier la charrue. Ah, mais non, mais attends, faut la tourner dans l'autre sens. La tourne. Là. Impeccable. Il est pas mal l'ensemble là avec le fent et le semoir là. Ouais, c'est pas mal hein. Ouais. Il y a de la gueule. Ça a de la gueule. Bon bah, moi je vais ramener la moissonneuse là. Hop. Je ramène la moissebatte. Ouais. Ah bah oui, j'avoue. Bah au pire, si tu veux la réinitialiser pour gagner du temps, tu fais comme tu veux, mais. Oh non, je vais la ramener. Je vais la souffler déjà sur la parcelle. Ah bien. Ça évitera de mettre de la poussière partout sur la route. C'est et... clair. Ouais, ou chez nous d'ailleurs. Donc, chez nous. En même temps, j'avoue, chez nous. Ah bah, oui, si tu la souffles. On peut pas avoir les capots sur celle-là. Non. C'est dommage, là. C'est dommage, j'aurais été stylé. Hein. Mm. Allez, on va attaquer le labour. Le 7S, on va le roder. Bon, il est un peu usé, j'avoue, le 7S. On aurait pu le réviser un petit peu. Impeccable. Ça, c'est du bon boulot. Ça. Putain, il y a vraiment des mauvaises herbes de partout, là. Mais c'est bien, on l'aura utilisé, le 7S, là. Parfait. Ah bah là, ouais. Nickel. Bonne mise en route pour le 7S, les amis. Mm. Parfait. Il aura fait du fumier, il aura fait du labour. Du labour, du fumier, ouais, non, c'est top. Nickel. Allez. Tac. Allez, comme neuf. Salut Pierre. Ça manquerait une petite masse devant, mais bon, j'en ai pas. Elle est sur le fent. On va faire 100. On n'avait pas pris avec le... Non, on n'avait pas pris avec le massé. Non. Non, j'aurais pu prendre une massaco, mais... Au pire, tu veux pas en acheter une, Rome, s'il te plaît? Ouais, si, si. Une masse... Alors, prends une masse... C'est pas les masses énormes, mais une ACO, tu sais. Ouais. Ou après, il y a que s'il en a mis d'autres, des pas mal, mais... Si, une 1100, ça te va? Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et l'idéal, ce serait même si tu peux me l'emmener avec le mode force, tu serais un ange. Voilà. Oh bah je vais te faire ça. Ah, allez, ouais. acheter. On va prendre par les centres. Voilà, tac. Ça, on va le laisser un peu sur le devant parce que. Attends, je vais te ramener ça. Ça il fera pas de mal d'avoir un peu de lest. Il faut juste spawner la princesse. Voilà, on visite. Et en même temps, je vais leur dire qu'on reviendra chercher peut-être la campagne. Hein, un peu plus tard pour qu'on bah, la teste. Plus tard, ouais, il va falloir qu'on la teste. Ouais, je sais pas quand, mais. Alors, je peux la prendre avec voilà, avec notre force. Ouais, c'est bon, parfait. Allez, on ramène ça. Impeccable. Hop, allez, go. Ouais, il l'emmène bien la 5 fer. Bon, en même temps, 5 fer, ça. Attends, pour 165, ça va quoi. Hop, on va se mettre en mode course. Ça va y faire du bien d'enterrer toute cette mauvaise herbe, les cannes et tout là. Là, c'est un peu plus propre, on y voit plus clair. Là, j'avoue, on n'y voyait pas grand chose avec tout ça.
on sème du blé là où elle sème, là, c'est du blé. Oui, hein. Oui, pour les poules, ouais, je pense qu'il faut qu'on sème. Ouais, parce qu'on a plus rien du tout. Bah, on stock, a plus rien, ouais, pour les poules, j'avoue. Tant pis, au pire, ça produira plus le temps que. Ou au pire, on pourra racheter une benne s'il faut. Ouais, t'es où, mon Jérém? Là, je suis dans le coin de la. Je sais pas si tu me vois là. Je suis en parcelle 21, oui, je t'ai pas dit. Ah bah, oh bah mince, j'y étais. Ah merde, t'as été trop loin? Bah j'étais tellement vite que j'ai même pas vu que t'étais dans le champ. Mais j'arrive, t'inquiète. Ouais, vas-y. Hein, je peux te dire que je cours. Là, je suis en il mode, court, il court. L'homme qui valait 3 milliards. Mieux que Stano, merci. Grégoire, ouais, bah après, hein. Ah bah parfait, il me la met pile poil en plus. C'est une masse à quoi ça? Bah ouais. Ah ouais, j'aurais dit une masse. Ah ouais. Ah oui, t'as... non, c'est bon. Ouais, ça rend bien même. Oh putain, ça fait une sacrée masse devant. Ouais. Ah merde, je suis en train de baisser là. Ouais, par contre, belle, par contre, je les trouve pas belles ces masses. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas bah grave, oui, non, manque, mais c'est pas grave. Hein, mais... Il manque, hein, oui, je suis d'accord. Ah, je sais pas, je les trouve pas belles, je trouve que ça. C'est. Ouais. Ça fait un basique, gros. Ça fait plus dire. Un. Ouais. Je trouve que ça fait plus une verrue sur l'ensemble ouais. En fait. Ouais. Je sais pas. Oui, bon, j'avoue, c'est pas top. Bon. Mais bon, ça nous sert là. Bon, par contre, à stabiliser le tracteur. Voilà. Par contre, on gagne en vitesse, on dirait là, non? Eh bah oui, parce que tu stabilises le tracteur, donc automatiquement. Ah, mais je savais même pas que de base ça faisait ça, tu vois. Tu rappuies le devant et du coup ça te permet d'avoir une meilleure adhérence. Non, mais les gars, je découpe le jeu, moi. Non, mais il y a des fois où j'y fais pas attention, mais là, j'avoue, regardez, on gagne. On a gagné 2 km/h. Non mais c'est en adhérence, oui ça joue pas. Ah oui bah ok, mais je savais pas que de base le jeu prenait en compte ça en fait. Je pensais que tu pouvais labourer sans masse, ça faisait pareil mais non. Elle a fini de semer, je la ramène où le semoir? Oui je l'ai reçu Joubert, je l'ai reçu mais j'ai pas eu le temps d'y regarder et mais je l'ai vu. Et je te remercie en tout cas pour le mail, mais j'ai pas eu le temps d'y regarder, de prendre, j'en ai pas forcément besoin sur mes séries. Mais merci en tout cas pour l'envoi, hein. Merci à toi. Qu'est-ce que tu disais, Rome? Pardon, excuse-moi. Bah, le semoir et ça y est, ils ont fini de semer la parcelle là. Ah bah, tu peux venir là. Hein. Bah, viens où je suis si tu veux, comme ça tu pourras semer avec moi. Ah bah voilà. Je pourrais y attaquer. Je t'entends plus. Je t'entends plus. Ah. Ah, bah, c'est un des problèmes. Ouais. Ah, un Valtra pour changer. Ouais, mais c'est que là, on a vu le Massé en promo, les gars. Ça aurait été un Valtra, on aurait pris le Valtra, je pense. Hein, mais... Ouais. C'est parce qu'il y avait une bonne promo sur le Massé et voilà. Ah, le Massé, le 7S, il a de la gueule. Non et sur un 7S, oh, 7S assez récent, donc on s'est dit bon. Donc voilà, on s'est dit allez on y va. Hein. Oh, cette S, ouais, il est propre. Il arrive, comme ça il va pouvoir semer. Voilà, allez, c'est temps. Parti. Comme ça, hop, on va se mettre comme ça, on va le mettre en route et on est parti. Alors tu sèmeras pas au bout parce que j'ai pas fait les fourrières. Hein. Non, ouais. On les fera après. Ouais, on les fera à la fin, ouais. Ah là c'est du bon boulot ça. Là, ça baisse le temps de bien semer comme ça, de ouais. Tourner au bon, bout de la parcelle. De toute façon, on va rattraper, mais... Oh, ouais. Là, on est vraiment full... Ah là, full acco, les gars. Ouais, full acco, hein. Là, ça ouate, hein. Là, ça biche. Vas-y. Hop. Ça, c'est bien le travail, ouais. On bosse. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait du blé pour les poules, parce que là on est vraiment, on a plus rien du tout. Mmh. Ah, blé ou orge d'ailleurs, peu importe, mais... Ouais, c'est déjà du blé. Oui, enfin là c'est du blé que t'as semé de toute façon. Ouais, c'est du blé, ouais. Eh ben Doudou, je t'ai réveillé Doudou. Il a fait sa petite sieste, Doudou. Il a fait sa petite sieste. Je viens de te réveiller. Cette tête de cul. Tes lives sont calmes et apaisants. Ah bah merci. C'est des lives ASMR farming alors. Ouais. On fait des lives ASMR. Nouveau concept. Live ASMR sur farming. Bah c'est sûr qu'après, oui, ça reste plutôt calme. Hein. On est tranquille, on joue. Bah c'est pas un jeu violent. Hein. Non, sûr. C'est pas un jeu violent, c'est pas un jeu. Ou des fois, si, on peut rager. Des fois, je m'énerve. Oui, hein, on peut rager. C'est vrai qu'on peut rager. Mais bon. Des fois, des bugs, des machins. Bah, on a vite fait de rager. Ah bon mais... Ah, t'as des bugs, toi? Les cannes de maïs s'écrasent. Ah, est-ce qu'on n'a pas destruction des cultures là? Attends, on va la remettre. C'est où, destruction des cultures? Oui. On va la mettre. Ah, ok, elle s'écrase. Ouais, effectivement, elle s'écrase. Ah, mince, j'en oublie là. Attends, c'est pas grave. Le soir en direct va bien. Ah, oui, elle s'écrase, ok.
Ah, on l'avait pas, c'est dommage qu'on l'avait pas d'ailleurs. Ouais. Pour l'oscillage, on aurait pu la mettre, ça aurait été plus stylé. J'en ai oublié un petit peu, j'avoue, là, mais ça m'a permis de rattraper. Ah, les cannes d'écrasement des cannes de maïs, j'avoue, c'est trop trop stylé, quoi. C'est assez stylé. Ouais, c'est bien fait. C'est trop bien. Ouais. C'est vrai que j'avais fait l'ensilage avec Chrome sur la partie, là, et c'était vraiment bien. Franchement, ouais, c'était hyper agréable de voir, justement, bah déjà, quand tu vois ce qui reste de, derrière la parcelle de maïs, au sol. Ouais, bah oui. Et puis, quand voilà, les cannes écrasées et tout, franchement, ça rendait super bien. Ça rendait bien, ouais. Ouais. Après, je pense qu'on va semer cette parcelle-là. Ouais. Puis on sera et pas puis, mal. Bah, pas mal, ouais. Et là, on a déjà bien avancé, c'est cool. Je pense qu'on en ressemera peut-être une autre parcelle. De toute façon, il en faudra hein, du blé. Ben, je remettrai bien l'autre parcelle, tu sais, la grande parcelle qu'on a eue là, où on avait le maïs aussi. Ouais. Voilà. T'as raison, mais je pense qu'il faudra qu'on regarde s'il faut pas la labourer, mais à mon avis. En plus, peut-être, j'ai pas regardé, ouais, c'est vrai. Oui, il y a peut-être moyen de la labourer. Enfin, il va peut-être falloir la labourer, quoi. Ouais. On est pas mal dans ce massé là. Mais on a du beau matériel, hein. On reste cohérent. Ouais. Notre ferme. C'est ça. Mais franchement, on a du beau matos. Mais ouais, on reste cohérent sur... c'est vrai qu'au début, on a commencé vraiment très petit. Ouais, mais on reste cohérent dans la question dans le matériel. Exactement. Alors, j'en oublie encore un peu, là, mais... J'essaye de rattraper, là, j'ai fait une virgule, un peu. Et on n'a pas fait tellement d'emprunt par rapport à ce qu'on a, hein. Non, en plus. C'est vrai qu'on n'a pas... On a bien géré. Bah, après, on a mis tout de suite aussi de la... Attends, je vais juste... Vas-y. On a mis tout de suite, enfin on a fait ce qu'il fallait tout de suite, on a mis les vaches tout de suite pour faire un peu de lait. Et là, putain, mais le coup de caméra, je l'ai pas. J'ai pas baissé. Ça rend bien parce que t'as vu, elles nous vendent maintenant 11 000 litres de lait tous les 6 heures du matin. Donc, non, ça rend bien, hein. Là c'est top. Là, hein. ça produit bien. Je vais attendre que tu refasses une passe. Ouais, ou le lag. Oula, le lag. Tu l'as toi aussi. Ils doivent acheter ou il y a quelque chose là. Ouais, je l'avais aussi, Oh! C'est chiant! Oh! On devra rapporter de la chaux. Ah! Après. Oui! Ça arrête pas de laguer! Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que Hugo a quitté le serveur. Du coup, ça fait bugger. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Ok. bien. De toute façon, moi, je vais arrêter. Ouais, bah nous, on finit juste de semer cette parcelle-là, puis on y arrêtera après aussi. Donc voilà. Ok. Ah. Oui. Tu nous écoutes. Je disais, vous avez pu faire ce que vous vouliez. C'est moi qui bug ou c'est... Je sais pas, je t'ai pas écouté. Là, je sais pas. On t'a pas écouté. On a des micro-coupures par moment. C'est Discord, j'espère, parce que... Ouais, j'avoue. Bon, là, il a déjà bugué tout à l'heure, donc... Ah ouais, non, mais là, on t'entend, mais... Là, on t'écoute, on t'a pas écouté au début. Ok. Non, mais du coup, moi, je vais arrêter, et puis voilà. Ok, pas de soucis. Ça marche. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, par hasard, peut-être demain, moi je vais live Eurotruck. Donc, si jamais je dis fille, tu veux venir live avec moi, voilà. C'est qu'il faudrait que je mette à jour le jeu. Que. Ah oui. Non, mais demain, je regarderai si je me lance, si je reviens pas tard le soir, si j'ai le temps de regarder ça, je te redirai au cas où. Ouais, ok, ça marche. Pas de soucis, Ça marche. Voilà. Bon, moi je vous laisse bien. Et du coup, bonne soirée. Bonne soirée. Et puis bon courage. Et puis peut-être à demain, peut-être. Voilà. Ouais, ça marche. Ça marche, allez à plus. Ciao. À plus et ciao. Ah, dès que je dis ciao, il y a le chien qui se lève parce qu'il croit qu'on s'en va. Ah. Alors, si je fais gaffe, il faut bon que je dise. Faut pas dire le mot promener. Oui. Il m'a écouté, il me regarde là-bas, à la porte. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? On va se promener. Et le mot, ouais, ciao, allez, on y va. Bah, ça, c'est. Ah ouais. Je crois qu'on y va et c'est pas assez foutu. Ah ouais. Et c'est foutu. Ah celui-là, dès qu'il y a moyen de se cabaner, donc on le tient plus quoi. Le chien? Le chien. Ah ouais, bah dès qu'il y a moyen, dès qu'il peut sortir, dès qu'il peut... Ah oui. Ah ouais. Non, encore j'ai la chance que mon père est en retraite et du coup il le promène. Il le promène, ouais c'est donc bien. Mon père il l'adore aussi, bah du coup il tous les matins quasiment, et puis lui ça l'occupe, ça occupe mon père aussi. Bah oui, ils font une balade d'une heure tous les matins, donc c'est bien. Avec son papy,
Je lui dis à chaque fois. Dès que je dis le mot papy, c'est pas papy, va ça. Il sait tout de suite qui c'est. Et hop. Ouais, bah ouais. Ah là. Direct. Ils ont des mots clés comme ça. Ah oui, bah oui, il y a des sortes de petits mots comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu putain, j'arrive pas à la bourrer droit là, je regarde le chat. Croquettes, croquettes. Oh, les croquettes, ouais, c'est sûr, faut que des croquettes. Ouais. Ils préfèrent le pâté. Ah bah. Non, non, non. Dans le pâté, j'en donne plus du pâté parce que même pour moi, j'essaie de moins manger parce qu'avant, je mangeais que de ça. Bah, c'est la vie le pâté, mais bon, voilà. Ouais. Avec la salle et tout, je me remets au sport et tout, c'est un peu contradictoire. Alors j'essaie de pas en manger trop non. Ouais, bah j'avoue. Ah, si on tu peux en manger de temps en temps, voilà, mais pas tout le temps. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est le week-end ou quand je vais manger chez les parents ou voilà, je me fais le petit plaisir parce que là-bas, il y a ce qu'il faut. Voilà, bien voilà. Bah oui. Donc voilà, mais la semaine j'essaie de m'imiter. Et après, le but c'est pas d'en manger tout le temps, voilà, bah oui. Exactement. Ta ferme, bah parfait, Mathieu, impeccable ça. Tu m'enverras ça sur Insta pour que je voie ça. Si t'as Insta. Allez hop. Moi je vous ai partagé tout à l'heure là sur Insta l'ensemble de Monsieur Jérémy Cheva. Il conduit des convois agricoles. Ah bien. Et il a chargé des. Il a chargé aujourd'hui des ensembles pour faire des ponts. Ah oui, ok. Donc du coup il m'a partagé ça tout à l'heure. Bah nickel. Nickel nickel là, attends, je vois un message. J'ai une question. Quand je veux placer un enclos sur farming dans ma ferme, ça me veuillez vendre des enclos. Oui. Et bah ça tu utilises le mode. C'est quoi le mode More Animal Husbandry ou je sais pas quoi, c'est pas un nom comme ça qui te permet d'avoir des animaux à l'infini sur ta ferme. Ouais, Expandable. Expandable Animal. Ouais, c'est ça. Je crois que tu l'as dans la catégorie Gameplay. Ouais, tu l'as la catégorie Gameplay. Voilà, c'est ça. Donc tu peux aller voir là-bas, tu le trouveras et t'auras plus le souci. Je vais prendre une petite photo aussi avec le. Pendant quel sens là? Avec le massé dans le tas dans l'autre sens. Mais là on est en full SPF, moi je suis à 60. Ouais, moi aussi 58, 50. Ouais. Ouais, c'est avec le stream, je pense que ça perd un peu mieux. Ouais, vas-y, le stream ça tombe. Ouais, ça prend un peu, ouais. Il manque le nouveau PC. Normalement pour FS25, les gars, il y aura un nouveau PC. Normalement. Moi je m'étais renseigné sur celui que j'ai, je peux juste changer ma carte graphique. Bah moi je peux pas trop la changer apparemment. Non, bah il est plus ancien le tien. Ouais, et puis j'avoue, faut t'en repartir sur des composants. Ah oui, non mais d'accord. Sur des composants neufs, bon, enfin, ouais. Ah bah, moi vu que j'y connais mieux. Pas trop, je préfère pas mettre les mains dedans. Oui, non mais complètement. Ouais. Une photo, mais. Ah putain, mais le soleil est pas. Avant ça me. Oh putain, ça fait chier, c'est mon. J'avance. Ouais, attends, bouge pas, non, je vais la faire comme ça. Attends, hop. C'est une belle photo là. Je partagerai peut-être sur les réseaux. Hop là. Tac. On a des beaux ensembles, hein. Franchement. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. C'est quoi les composants? Bah, les composants, c'est tout ce qui compose la carte graphique et tout ce qui est autour. C'est-à-dire que. Ton processeur, tout ce qui va avec, processeur, nombre de gigas, tout ça quoi. Ouais, hier, je suis pas en ultra, je suis pas tout à fond. Parce que si je me mets tout à fond, je pourrais me mettre tout à fond, mais que sur les maps. Alors, sur les maps qui sont bien optimisées, comme celle-là, ça irait. Mais alors, sur les maps, des fois, c'est pas optimisé de fou et si je l'agrée trop. Donc, du coup, j'ai baissé un peu mes résolutions et. Et puis vu que je stream en même temps, j'ai pas de double PC, donc ça prend des ressources aussi sur le PC, donc voilà, le but c'est la qualité déjà, je pense pas trop mal sur les lives, sur les vidéos et tout, donc que ça soit sur un téléphone, que ça soit sur la télé, non c'est correct. Hein. Ouais voilà. Allô. Ah mais il est oui. Encore là. Non, j'ai pas arrêté en fait. Ah d'accord. Je voulais arrêter mais au final je me suis dit ben non. Ah bah ok, impeccable. Donc là je moissonne un petit champ. Bah Hugo est parti quand même. Ok. Mais ouais, j'avais avancé l'ouvrier chez vous hein, parce qu'il faisait n'importe quoi, du coup c'est moi qui ai terminé la parcelle. Hein? Ah oui. La parcelle voilà. Est pas de chez nous. Voilà. En soja? Ouais. Ah ok. Ouais, parce que l'ouvrier faisait un peu du caca. Ah, il faisait du caca.
Ouais. Ah ouais, ok. Bon, bah, c'est parfait. Fait carré. Moi, ça me va. C'est carré dans l'axe. Ouais. Ok, ok. Bah non, mais du coup, moi, sonne et après, bon, ça sera bon. Je sais pas ce que vous faites, vous. Ouais, nous, on termine notre parcelle de blé, là. On labourre et on sème en même temps. Voilà, puis alors, on finit ça, puis bon, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on aura fini, je pense. Voilà. Ouais, bah c'est pareil, ouais, pareil. Bah, du coup, je suis en live, mais en même temps sur TikTok. Tu fais, attends, c'est sur YouTube, TikTok ? Non ? Mais en fait, je voulais tenter. Bah, du coup, c'est ce qui a fait bugger mon live tout à l'heure. Ah, ouais. Et, on... et là, ça va, ça va. C'est là, en ça direct. Va. Mais oui, c'est en direct. Et oui, c'est en live. Déjà, c'est une technologie. Par contre, ta voix, je sais pas si tu rom aussi, tu l'écoutes en. Ta voix, elle est bizarre, ça fait bizarre le son. Ouais, le son est bizarre, ouais. Le son est ouais, bizarre, mais je pense. Ça faisait un peu robot. Ouais, comme si t'étais un robot. C'est un Daft Punk. Il s'est transformé en Daft Punk, en fait, Bastien. C'est pas ça. Mais t'es en live sur TikTok, sur ton TikTok. C'est un vieux extrait, là. Voilà. Attends, vous m'entendez bug? Discord bug. Là, on t'écoute. Là, c'est le stéréo du futur qu'on écoute, les gars. Comment? Attends, t'es sur quoi en live là? Je tape ster, ça marque stéréo énervé sur TikTok. Mais le son, les amis, c'est que j'ai fait moi aussi. Attends, mais il est en live. Attends, il est en live, Bastien. Ah si, c'est pas comme ça. C'est vraiment que c'est vraiment Discord, ça ne bug. Ouais, c'est Discord, je pense. On t'écoute à moitié, Bastien, mais ça va être Discord, je pense. Ah, je l'écoute, je le regarde aussi en live. Je te regarde aussi, Bastien, en live, là, sur le TikTok. Oh! Ouais, t'écoutes, mais c'est Discord, à mon avis, cherche pas. Oui, je la vie. Oh, le sourire. Oui, c'est vraiment Discord. Ah, alors t'écoutais pour à peu près bien. Ah, là, ça va. Ah, ça marche. Ah, bah, ça marche. Vous m'entendez? Bah là oui, ça va mieux là. J'ai écouté ton retour du live, je comprenais rien à ce qui se passait du coup. Ah non mais là t'avais une voix mais... Mais toi aussi t'avais une voix, c'était... ça marchait pas trop bien. Bah là c'est bon, là c'est bien, là on t'écoute bien. Ouais c'est bon, ça fonctionne là. Ah là, je me suis dit merde, c'est moi qui rebug. Et non. Ah j'avoue c'est pas mal après, tu l'as eu en... Ça, c'est propre sur TikTok là, ça rend bien. Hein. Ah tu regardes? Ouais je regarde, oui. Ah stylé. Ouais en vrai ça marche bien, juste que j'ai pas la correction colorimétrique qui... Enfin, ah ouais c'est brut quoi. L'image ouais, mais bon, mais ça passe en vrai, ça va, ouais, ça marche bien, pas mal, impeccable. En plus, y a pas de décalage. Regarde, je te fais coucou, je sais pas si tu me regardes, j'y fais. Si, ouais, j'ai 2 secondes, tu vois ce que je fais là, ouais, un point, ouais, on attend la suite. Voilà, magnifique. Non, y'a pas de suite, ah, ça va alors, ah, là, là. Impeccable. Ah, bon, voilà. C'est bien drôle la voix qui bugue. Ah ouais non mais la voix là c'était la denrée est de retour dans le chat. La denrée. Ah là là. Ça peut être stéréo, non c'est bon, il est plus bugué. Ça va. Non ça va. Allez hop, on va finir ça, nous on a bientôt fini. Bah on laboure et on sème en même temps une parcelle. En même temps ouais. Comme ça ce sera semé et on aura peut-être du blé parce qu'il n'y a plus de blé pour les poules. On aura 2 parcelles comme ça déjà de semer et c'est parfait. Ah, voilà. Bon, ouais, parfait. Ah, magnifique. Parfait, moi, je finis mon petit champ là. Ouais. Enfin, je finis. Bah, je suis qu'au début, mais. Ah, tu relances un deuxième live sur TikTok, du coup. C'est parti pour 2 heures. Ah non, non, non. Ah, ouais, attends, c'est bien. Attends, Rome, laisse-moi labourer avant là. Vas-y. Tu veux déjà la semer avant de labourer. Voilà. Qui c'est qui veut labourer quoi? J'ai de la parcelle. La parcelle. Ah, ça va. La parcelle là-bas. Attends, mes champs là. C'est reste, on verra après. On verra ça après le live. Ouais, c'est ça. Voilà. Hors connexion. Hors connexion, voilà. Du coup, ça c'est bon. Ah oui, du coup, on va faire du maïs. Nous, vous voulez qu'on fasse. Alors attends, faut faire un sondage. Maïs ou pas maïs? Est-ce que vous voulez qu'on fasse du maïs, nous? Enfin, est-ce que vous êtes prêts à refaire du maïs, vous? Ah bah, nous, en vrai.
Bah... Si, on peut peut-être en faire pour du maïs grain, quoi. Maïs grain. Au pire, maïs oui. Ou patates. Voilà, pas de patates, nous. Oh là là, pas des patates. Moi, je suis pas là, pas hein. De patates. On est pas chaud pour ça. Encore, si je dois en faire, c'est peut-être juste sur cette série-là, parce que j'avoue, on est nombreux, c'est peut-être mieux aller, mais... Ah ouais, ils sont sympas, les patates. Ouais, les patates betteraves, je suis pas fan, moi, sur le jeu, mais... Allergique aux patates. Ah non, j'aime bien les frites, pourtant, mais... Pour l'instant, 70% de maïs. Bon. Après, j'avoue, les patates, c'est vrai que ça pourrait être l'occasion de le faire, patates betteraves. Ah, c'est parce que les gens aiment bien nous voir faire de l'ensilage en multi, c'est pour ça. Bon, ensilage, c'est stylé, hein. Ouais. Mais je pense que si on fait du gros ensilage, je pense qu'on va peut-être prendre une barre de coupe plus grande et moi je ramène Germain. Et comme ça, on a encore plus. Ah bah après, ouais, plus. Oui, oui. Bah les gens, ils aiment bien faire ensilage ensemble et tout. Ça peut être Mais ouais, c'est vrai. Mais moi, j'avoue, l'ensilage, là, on est. Enfin, on n'a pas besoin. Après, en maïs grain, ouais, on pourra en faire, mais après, on peut après, vous aider. En maïs grain, pourquoi pas, ouais. Après, on peut vous aider, voilà. Ah, bien sûr. Après, si vous avez besoin de voilà d'entraide, on est là. On est là. Ça me fait rire tous les commentaires. C'est drôle. Moi j'aime bien. Je vais faire ça à chaque fois maintenant. Ça y est. Ça y est. Maintenant je vais aller sur. T'es sur YouTube aussi là du coup? Tu fais les tarifs à faire les deux en même temps? J'ai pas arrêté mon live YouTube. Impeccable. Bon, Rome, je laboure ce que t'as semé, hein, c'est pas. Ouais. Vas-y. En même temps, il est resté. Qu'est-ce que je voulais faire? Votre bateau, elle est. Mais vous êtes où là? On est. Parcelle 21 20, là. Vers 21, le. Ouais. Elle est rangée à côté d'une statue d'un ours. Oui, on l'a laissé. On l'a laissé à la menuiserie. Ah oui, on l'a pas ramené, c'est vrai la bateuse. Non, elle est pas ramenée. J'ai juste enlevé la part de coupe et là, je l'ai soufflé avant et restée. Voilà, soufflé, graissé, impeccable. Voilà. Ben c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'ai un tracteur là-bas. Il faut que je le ramène. Je vais aller décompacter. Je vous laisse. Du coup, je reviens après. Ouais. Okay. Bah nous, d'ici 10 minutes, on a fini, je pense. Ouais, je viendrai vous voir après. Voilà, ça marche. Voilà, on va finir ça propre. En plus, on est raccord parce qu'on est au mois d'octobre, donc c'est parfait pour semer du blé. Voilà, impeccable. Sans le faire exprès, on est bien. Sans le faire exprès, ouais. On est pas mal. Voilà. A plus mon petit set, j'ai pas vu que t'étais là. Salut mon petit set et à plus si tu t'en vas. Ouais. J'ai pas vu que t'étais là. Allez, voilà. Impeccable, voilà, après c'est bon. Ben voilà. Bonne chose de faite. Ouais, deux parcelles, bien, on a bien bossé. C'est ça. Nickel. Allez hop, on replie la charrue. Et je trouve que comme il n'y a plus la circulation, on lag moins, je trouve, par moment. Ouais, je pense, c'est moins chiant. J'avoue, la circulation en live, c'est horrible parce qu'à chaque fois, je me tape les voitures. Moi, je regarde le chat et je vois pas les voitures. Et à chaque fois, dans tous mes lives, c'est pareil. Salut, Jules. Beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide. Oui, c'est vrai que j'ai pas de. À part les lags tout à l'heure, mais sinon, il n'y a pas eu de. Voilà, mais sinon. C'est vrai, merci pour les 79k, merci David. Et ben voilà, parcelle semée. C'est Christophe, moi ça va depuis. Ah voilà, dès que je regarde le chat, les gars, je fais n'importe comment. L'Alaska, je crois, c'est ça. L'Alaska, il fait encore froid, moins 20 degrés, ah ouais. Ah ouais. Et ben bon courage à toi, Christophe. Ah oui, c'était le chauffeur, toi, t'es le chauffeur de Kenworth. C'est cool ça. Bah, moins 20 degrés, c'est peut-être que. Ouais, c'est la sortie d'hiver là, non? Moins 20 degrés, c'est l'été là-bas, non? Non, je sais pas combien il fait degrés d'ailleurs l'été en Alaska. Il paraît qu'il fait pas si froid que ça l'été. Non, il fait pas si froid, ouais. Bah d'ailleurs. Mais je sais pas, dis-moi Christophe, si tu es toute l'année là-bas, tu me diras combien il fait. Bon, juste par curiosité, comme ça, pour savoir. Ouais, il fait juste moins 12. Ouais, moins 12, c'est l'été, on est en short et tout. Ouais. C'est clair. Allez, impeccable, on va baisser ça, ça. Et on est pas mal. Et on est pas mal du tout. Je rentre du boulot. Salut Mathéo. Ouais, bah nous on a fini, on a bien bossé. Bah nous aussi on rentre du boulot. Merci les gars, on est bien à deux petits pouces bleus, des 300 likes. Je compte sur vous pour mettre d'autres petits likes pour quand même atteindre des 300. Voilà, donc juste pour vous parler un petit peu du planning de cette fin de semaine, ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une vidéo demain sur le domaine de Barrière, nouvel épisode.
où on continue nos préparations de terre, où c'est un peu compliqué, vous verrez. Bref, enfin, voilà, je vous en dis pas plus. On verra ça demain. Et fin de semaine, bah, il y aura également un live ETS2, on verra avec Rome. Nous, si on va essayer d'en faire un, il faut que je mette le jeu à jour et tout. Demain, je serai pas prêt pour être avec Bastien, c'est sûr. Puis il faut que je prenne ses mods et tout, machin. Enfin bref. Ouais, ouais. Non, mais je te renverrai ce que j'ai mis à jour et puis voilà. On fera ça, on essaiera de se caler un live avec Rome du coup. Quand je sais pas, mais on essaiera de se caler ça. Oui, on va se caler ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah voilà quoi. Après, live ma femme Comtoise, du coup, soit samedi matin, soit samedi début d'après-midi. Je vous tiendrai informé sur les réseaux. Et sur TikTok, les gars, ça va vous sortir un petit TikTok un peu qui change. Enfin voilà. Je vais essayer de faire ça. J'essaie de prendre le temps, peut-être demain soir, de faire ça. Je verrai si j'ai le temps. Donc voilà, ce sera pour ce week-end aussi, puis voilà. Et toi, Rome, du coup, t'as un épisode demain, si je dis pas de bêtises. Épisode demain à 17h de la ferme des Roms, et puis live vendredi soir à 20h40 avec le frérot sur la ferme des Roms. Voilà. Ok, impeccable. Bah, écoutez, on va vous laisser, je sais pas si... Attends, est-ce qu'on peut mettre un message... Je sais pas si Bastien met un petit mot, T'écris ou j'écris? Ouais, j'écris. Ah bah ok, vas-y. Tu mets on arrête. On arrête, ouais. Voilà. Et puis on va aller se coucher parce que demain il faut se lever tôt, 5h30 demain. Wow. Oh, ça va piquer. Voilà. Truc dingue, comment les véhicules arrivent à démarrer? Comment ça, truc dingue, comment les véhicules arrivent à démarrer? Hein? Comment quoi? Les trucs dingue. On appuie sur le bouton. Ah non, mais dans le froid, pardon. Ah oui, on était, on peut atteindre les 25 degrés. À 25 et à 30 degrés, ah oui, c'est ça. Ah ouais, quand et même. En plein hiver jusqu'à moins 50. Bah, vaut mieux être en été alors. C'est clair. Et il paraît que l'été c'est beau aussi parce qu'il y a pas mal de forêts. Enfin, de ce que j'ai vu, hein, je sais pas, tu me diras, Christophe. Il paraît que c'est beau aussi l'été. Bah après, c'est vrai, comme on dit. Bah, les lacs par contre sont plus gelés. Les températures sont aussi, changent aussi comme nous, hein, doivent changer en Europe. Je pense qu'eux aussi doivent le subir aussi. Je pense, C'est ça, oui. C'est ça. C'est vrai que. Bah après, oui. Puis bon, après, l'hiver il fait quand même très froid. Bah oui. Bon, bah nous, les amis, on va se quitter. Je sais pas si Bastien, on va y arrêter là. On verra si. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Sinon, on s'est déjà dit au revoir tout à l'heure, au pire. Donc, voilà. Oui. Bon, on va se quitter là-dessus. Bah écoutez, j'espère que ce petit live vous aura plu. Merci, mon Rome, encore une fois, d'avoir été là. Et bah, merci à toi, mon Jérém. Ouais, c'était bien et sympa. Puis, on a bien avancé. Voilà, merci à ceux qui ont donné, encore une fois. Merci à vous tous d'avoir été là. Un petit pouce bleu avant de partir, comme d'habitude. Et moi, je vous dis bah, à demain en vidéo. Sinon, ce week-end en live. On aura bien le temps de se trouver, en tout cas en live. Merci à tous. Passez une très bonne soirée. Et à la prochaine. Ouais, bonne soirée à vous tous. Ciao. Ciao, les gars.